Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Fallout 4. C'est le 18e épisode et on est chaud patate. Hey, coucou Chikizo. Bah oui, quand t'es arrivé, je faisais toutes mes manies Pokémon. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé dans l'épisode. Oh mince, dans l'épisode 17, pardon. C'est mon câble qui a touché mon casque. J'ai pas encore allé jusqu'au machiniste ou mécaniste? Le mec en East. Donc je suis pas allée encore faire parce que je crois que je suis morte quand j'y suis allée. Du coup j'avais pas envie de refaire deux fois la même chose, donc on a changé de mission à ce moment-là. Mais c'est pas du tout jouer à la déconf, je suis pas d'accord. Non non. C'est juste que bah j'avais pas envie de faire deux fois la même chose. Il sera bon la prochaine fois. Je me rappelle qu'on avait libéré une ferme. Ça je m'en rappelle bien. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Voilà, globalement on a fait des petites missions. Ah si, j'avais un camp à libérer. Est-ce que j'ai fini la quête principale? Nope! Nope, nope, nope. Je me suis arrêtée là où je m'attaque à la confrérie de l'acier. Parce qu'en fait j'ai toutes les quêtes de l'acier à faire et tout, du coup je me suis arrêtée là et j'ai pas repris. Ah si, je me rappelle! J'ai pas mal fait des colonies, des missions de colonies, et j'ai fait nettoyer. J'ai fait nettoyer, d'abord pourquoi? J'ai nettoyé le fort où il y avait les fangeux, dont la reine fangeux. Donc ça c'était plutôt cool. Allez, je charge la game et let's go. Ah oui, la dernière fois que j'ai fait du feu à la haute, c'était dans la nuit du 3 au 4 mars. On a la soirée du 3, quoi. Oh, le temps passe vite. Ouais, la semaine dernière, j'étais en vacances dans la famille. C'est vrai que j'en ai pas refait le dimanche, parce que j'étais complètement éclatée. Ce qui fait que ça va vite, en fait. Parce que dès que je rate une semaine, sachant qu'en plus, je repars... Enfin, là, c'était les vacances de mon fils. Et on le sait tous, hein, les parents, ils ont besoin d'avoir les vacances du fils, mais ils ont besoin d'avoir les vacances à eux aussi. Et donc mes vacances à moi arrivent et... Oh putain, il y a un escargot qui est en train de descendre le long de ma porte, attention. S'il arrive à passer la porte avant la fin du stream, respect. Et donc oui, mes vacances à moi vont démarrer du 25 au 31 mars. 25... Ouais, c'est ça. Voilà, la belle vie quoi! Non, j'ai pas à me plaindre, on va dire en ce moment. J'ai au moins du temps pour faire les choses. Au moins si j'ai pas la thune, j'ai le temps. J'avais claqué la cloche à mon avis la dernière fois pour qu'ils soient tous ici. Qu'est-ce qui siffle? Où est-ce que j'ai encore mis mon scénario? Est-ce que j'ai nettoyé mon inventaire? Il y a peu de chance. Ah, 323 sur 335. Merci mon mois du passé, tu m'as laissé me démerder pour le mois du futur, c'est bien? J'ai juste stocké mon bric-à-brac. Bah let's go, hein, nettoyage de sac à dos. Enfin, je connais plus mes touches, ça y est, super. Chapka, intelligence, charisme 2, haillons et capuche. Déjà j'ai pas mal de choses à virer là. Ça, est-ce que c'est mieux? Pff, non. Ça fait longtemps que j'ai pas évolué mais fait évoluer mon armure. J'ai pas mis un point dans les armures justement. Alors, je suis pas devenu fan à des armures ou un truc comme ça. Il est tombé de bouton. Donc recycler. Recycler. Et là on va vérifier si je peux faire des améliorations ou pas. Armurier, 3, 4, en requis 2. Ah voilà, regardez. Rien que ça. Donc bah je fais bien de... Alors est-ce qu'il y a mieux que poche? À large poche! Pourquoi Codworth il a adoré? Il a adoré quoi Codworth? Oh à large poche! Je m'en remets pas. Métal allié. Métal poli. Ok, poche. Ultra poche. Qu'est-ce qu'il faut? Adhésif, cuir, tissu. Donc normalement, je vais pouvoir mettre des. Oh, ça fait trop plaisir. Je peux pas dire que j'adore Good Neighbor. Il n'y a que des problèmes ici. De quoi elle me parle, elle? Elle veut un coup de tête ou quoi? Elle veut un coup de tête ou quoi? Elle me cherche de noise. No way. Oh. Ooh, you touch my tralala. Bah ouais, hein, polymère, hein. Non, mon casque de combat il va être super évolué le machin. Metal poly, bonjour, bienvenue. Merde, j'ai déjà fait ça. J'ai mal Attends, je au comprends pas. dos et j'ai mal aux pieds. En fait, j'ai mal partout. Résineux.
Poche. Ultra poche. Ah, j'ai des envies de revoir du Game of Thrones en ce moment. C'est. J'ai trop envie de me refaire la série au début. On a des envies des fois comme ça. Matériaux résineux, large poche. Métal allié. Pourquoi ils se mettent pas dans l'ordre? Ultra poche. Moi, je préfère ramasser plein de trucs plutôt que d'avoir une belle défense. C'est un choix comme un autre. Large poche, large poche, large poche, large poche, large poche. Standard, c'est bon. J'ai tout fini. J'ai tout fini mon équipement. Maintenant, il va falloir que je vire mes armes. Et puis que je retire aussi des choses. Je suis passée à 365. Mais quelle est forte, ce magnifique. Ah, si je dis des conneries, c'est normal. Hein. J'ai un entretien important, demain je stresse. Dites-moi merde. Hein, les Nicacola aussi, ça fait longtemps que je les ai pas fait. Oui, il faut que je fasse les armes aussi. Après, les Nicacola, j'en ai bu pas mal récemment, donc ouais, non, il m'en reste plus. Ah, la bouffe. Nion. Ah non, je me suis accroupie, j'ai voulu courir. En fait, non, c'est dans No Man's Sky qu'on court en appuyant sur R3. Parce que je me suis repris No Man's Sky en off. À cause de l'expédition Omega. Jackson a fait en sorte que je puisse supporter de longs voyages sans faillir. Ah mais du coup c'est pour ça que j'arrête pas d'appuyer sur carré, de rester appuyé sur carré. C'est à cause de No Man's Sky. Parce que dès qu'on veut ramasser un truc dans No Man's Sky, il faut rester appuyé sur carré, si je dis pas de conneries. J'ai tellement fait de No Man's Sky ces derniers jours que j'ai vraiment une mémoire... Oh putain, permet de respirer sous l'eau pendant 30 minutes, j'en ai rien à foutre de respirer sous l'eau pendant 30 minutes. Je vais jamais sous l'eau. Oh. Endurance plus 2 pendant 1 heure. Oh. Viande de reine des fangeux, c'est pas mal du tout ça. PA plus 10 plus 15 pendant 1 heure. Attends. PA plus 10 pendant 30 minutes. Mais c'est trop stylé le, tout ce qui est de viande de fangeux, les effets que ça fait et tout. Truc de fou malade. Oui. Viande de racer. On fait du ragoût de racer, ça paraît logique. C'est le treillis militaire que j'ai jamais changé en dessous de cette, sa tenue. Les armes. Et c'est très bon pour sauter. Et dans No Man's Sky c'est X. Mais dans beaucoup de jeux c'est X. Et je sais que hein, ça vous intéresse pas de connaître les touches de No Man's Sky. On a dit les armes. Mais je crois que les armes, je vais pas trop me faire chier. Je vais déposer ce qui se sert pas et puis on va partir comme ça. Mines nucléaires. Ah, les mines, je peux les garder. Ah, mais non, les armes, elles sont déjà propres. Hein. À part les mines. Mines nucléaires, ils sont sérieux. Oh, dégâts 301. Mais je suis pas morte à cause d'une mine à un moment donné dans le jeu. Pas qu'une seule fois, j'ai envie de dire. Il y a un moment où j'ai envoyé une mine dans la tronche de quelque chose et puis ben, je suis mourue. Et je crois que c'est la semaine. Enfin, la dernière fois, le dernier épisode, mais je suis pas sûre. Allez, choix de mission maintenant. Rendez-vous à l'endroit indiqué, Grey Garden, en eau trouble. Radio Liberté a diffusé un message étrange de la part d'un robot qui demande l'aide des miliciens. Je devrais aller à Grey Garden pour savoir quel est le problème. Nettoyer cette zone, Jamaica Plain. Accéder à l'antre du mécaniste. Voilà, c'est mécaniste et pas machiniste. Est-ce que je suis capable, ça J'ai peur de me faire poutrer. J'essaierai dans 1 heure. C'est quoi ça, la patrouille perdue? Écoutez, là, le band. Il faut que je retrouve la fréquence d'urgence, c'est ça? Je peux faire la patrouille perdue parce que la mission l'a déjà bien entamée. Attends, je vais vous éteindre la fréquence d'urgence, ça sert à rien de la voir tant qu'on n'est pas au bon endroit. Et le marqueur il est où? À Nordhagen Beach. Ah, c'était là où je voulais aller la dernière fois parce qu'il fallait que j'aille poutrer les voisins. C'est bon, je me repère. C'était comme ça que j'étais morte juste avant la fin du stream. Je crois que je suis morte. Je cherchais le mouchoir dans la cuisine. Cochina.
Mon seul mot qui est resté d'espagnol. Cochina. Ah, il y a un Pokémon qui est arrivé. C'est lequel là? De manière globalement, ce que je fais les débuts de stream, comme je sais que bah, les uns et les autres sont occupés, sont pas forcément là pour 10 heures et je peux comprendre, je fais des petites quêtes jusqu'à 23. Un méga pagos, c'est quoi ce machin? Regardez-les foncer. Et ensuite j'attaque le gros du truc, quoi. Voilà une course qu'on n'est pas prêt d'oublier. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. Alors, donc là c'est où je vais, je sais plus. C'est Jamaica Plain ici. Ah course, hein. J'ai voulu faire un scan du de la zone. Eh non mais en vrai à cause... Oh putain. Elle est pas avec moi Ada? Ah si. À cause de l'expédition 12 de No Man's Sky, j'ai fait 15 heures de No Man's Sky en 3 jours, un truc comme ça. Tu m'étonnes que je sois complètement pété du cerveau. Pété du ciboulard. Par contre, ouais, le sprint, c'est L3. Alors, c'était plus sympa la première fois qu'on est venu. Oh, il y a un trou dans le pont. C'est ballot. Hein. La première fois qu'on est venu, c'est moins glauque que ça. Et là, ils vont me demander d'aller attaquer les voisins. Nordhagen Beach. Non. Oh, ah oui, c'est vrai, j'avais tiré sur le flamant rose, je crois. Ce sont je les crois. Miliciens qui vous envoient. Ouais, je viens vous aider. Qu'est-ce qui se passe? Des pillards nous persécutent. Ils prennent notre nourriture, notre matériel, et ils nous menacent quand on leur donne pas ce qu'ils veulent. On sait d'où ils viennent, mais on n'est pas capable de leur résister tout seul. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ces pillards. Tant mieux. On ne savait pas quoi faire. Tant mieux. On ne savait pas quoi faire. Et avoir des émotions, ça n'était jamais prêt à traverser l'esprit? Ok, ils ont déjà de l'eau potable. Je regarde parce que du coup ça va être une colonie jouable après ça. Et j'adore le cadre. À part les flammes roses que je défoncerai direct. Oui, mais saute par-dessus la barrière là. Plutôt que de te bloquer. Attention, je vais éternuer. C'est bon, j'ai éternué. Je sais pas vous, mais ce soir j'ai trop mangé, j'ai fait qu'un seul repas. Et j'ai rééternué. J'ai retenu cette fois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris Canigou, mais comme je suis avec la quête avec Ada, et j'avoue que j'ai boosté ce robot de ouf. Alors je m'étais fait avoir parce que j'ai été pris. Ah si, j'utilisais ma mine nucléaire là pour le coup. Non, mais c'est comme ça que j'étais mort, je crois. J'avais pas le nez qui coulait avant de démarrer le stream. Pourquoi ça m'arrive maintenant? C'est une belle course aujourd'hui. Aucun pardon. Ah, belle course aujourd'hui, aucun coup fourré. On arrive. Hey, un peu moins de bruit là-bas. Hop là. Est-ce que ça va faire boum? Non, Ada, viens là, j'ai mis une mine. Waza. Oh. Waza, waza. Bah t'es arrivé au bon moment, Fire, parce que franchement, la mine nucléaire, ça fait plaisir. J'espère que ça en a tué pas mal. Oh, dégueu. Wouh. Attendez, normalement j'ai un snipe. Ouais, dans le torse, ça passera jamais. Bah si, là, je vais jouer à travers la planche, mais. C'est parce que j'ai eu le coup critique que ça a marché. Oh! Il y a de la goule? Ah, je croyais que ça faisait un bruit de goule, je trouvais. Vas-y, Ada, défonce! Oh putain, la voiture va exploser. Oh, fusil de chasse? T'as vu, c'est joli, hein. Bon, c'est dommage, les feux d'artifice, ils sont toujours la même couleur dans ce jeu. Puis les autres, ils continuent la course. J'aimerais bien leur remettre une petite mine. Mais sans me faire péter, moi. Oh.
Hop là. Comme ça, les robots, ils vont aller dessus. Ce sera un bon débarras. Allez, on attend l'explosion encore. Bah ça va et toi? Depuis mardi, la 7 days, c'était trop cool. Merci encore, Pleurette. C'est moi ou Ada, elle fume. C'est trop drôle de mettre des... Ah merde, ça a énervé la Vierge de Fer. C'est bon, je me rappelle de quoi je suis morte. C'est à cause de ce genre de monstre là que je meurs à chaque fois. Parce qu'il va faire le laser abusé là. Vas-y Ada, donne tout ce que t'as. Non, ça tire pas assez vite. À ma gauche. Et là, je vais refaire la même connerie. Une mine. Au secours. Elle est morte? Elle est morte. Bah attends, du coup, faut que je fasse attention à la mine que j'ai posée par terre. Là. C'est ça, c'est un coup à me la prendre. Sur qui elle crache, elle? Bah les robots, ils sont mignons, ils sont restés de l'autre côté. Bon, c'est cool. Là, on est quel jour? On est jeudi. Demain, je dis gros entretien super important. À 11h demain matin. Faut que je sois au niveau. Donc je traînerai pas beaucoup ce soir. Je les ai trouvés, t'as une mine, genre. Une mine. Si j'essaye de la lancer en haut. Oh là, non, ça lance pas très loin, ça. Putain, elle met tout à côté. Est-ce que c'est pas parce qu'elle tire dans le dos d'Ada? Réparer Ada, boum. Contre le Bob. Ah! Non, je veux pas mourir maintenant, j'en ai fait pas mal là déjà. Ouais. Bah là, c'est à dire que j'ai passé la première vague de recrutement. Donc là, c'est la deuxième. Ah, puis j'ai appris une info intéressante ce week-end. En fait, la ZLAN 2024 aura lieu. Et ça tombe sur un week-end où je peux être dispo. Et ce qui fait que j'aimerais beaucoup y participer et essayer de faire partie des streamers de la ZLAN. Il y a peu de chance. Mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Ah, il y a une mine qui a pas explosé. Ah oui, c'est celle... Elle est où? Attends, j'ai pas envie de mourir dessus. Elle est là. Vas-y Ada, c'est bien. Bats-toi. Elle est où? Voilà, c'est bon. Ici, les méchants. Pas de Zenlam pour moi, il n'y a pas de Tekken. Ah! Bah, je connais pas les jeux qu'ils vont mettre. Normalement, je crois que ça marche par 4 jeux, si je dis pas de bêtises. S'il y a du Fall Guys, ça m'arrangerait, ça m'en ferait déjà un que je connais. Parce que du coup, je vais m'entraîner pour essayer de passer. Pourquoi c'est devenu vert? L'objectif. Tueur à gage, normalement il meurt. Oh oui! La goule, la goule! Ah, il y en a un là-haut. Hey, ils ont quand même pas mal de vie. Hein. Alors toi, t'es complètement con. Tu mérites de mourir. T'as de la chance que. Ah, bah si, il y a du Overwatch, du Trackmania, je connais déjà. S'il y a du Fall Guys, je connais déjà. Il y aurait que Among Us à la rigueur que je connais pas très bien, mais bon, je peux pas avoir les 4 non plus. Tu penses qu'il y aurait du Overwatch? Oh, ce serait trop bien s'il y a du Overwatch, mais ce serait plutôt trop cool. S'il y a du Overwatch, du Trackmania, j'ai ma chance. Hein. Du Trackmania, j'en ai fait un petit peu. Enfin, j'ai mes chances. C'est comme tout. Hein. C'est minime. Après, il y a la participation. C'est pas pour la thune, c'est vraiment pour le fait de faire un rassemblement de streamers. Je pense pas gagner, mais c'est pour plaisir de participer. Si jamais ça se fait, ce serait mon premier événement IRL. Donc voilà, c'est pour ça. Je faisais juste une petite parenthèse sur ça. Sachant que ça me ferait participer. Voilà. Fais ce que tu veux, ça suffira pas. Parce que je me suis pas donné j'ai pas donné officiellement d'objectif pour 2024. Ça pourrait en faire partie, tu vois.
accéder. Tu penses pouvoir débloquer ce terminal? Ah, je suis chaude, c'est trop stylé. Laissez-moi déverrouiller ce terminal pour vous. Attends, ça veut dire que... La sécurité de ce terminal est élevée, mais je vais faire... Ça veut dire qu'ils ont fait toutes les phrases en chuchotant? Pour doubler correctement. Ah, c'est quoi dans la poubelle? Cette bouteille de Coca-Cola. Putain, il est où lui? Je vais essayer autre chose. C'est pourquoi les recrutements? Non, ce n'est pas ça. Terminé. Les recrutements? Vous devriez pouvoir utiliser ce terminal maintenant. Est-ce que ce serait bizarre une deadline sans Overwatch? Je crois que... D'accord. Ah, c'est pour quand tu veux dire? Pourquoi? Tu parles de quel recrutement, Fire? Normalement, c'est pour le choix des... Quand je dis recrutement, je parle du choix des streamers. Si tu parlais de ça. Ah, la musique, elle s'est bien énervée, là. Ça tire d'où, là? D'en haut. Ok, d'accord. Ouais, t'as dit que t'avais fait des recrutements. Ah, pour mon travail, oui, pour... Oui, c'est demain en fait le mon rendez-vous, c'est que j'ai déjà passé la première phase de bah là, c'est pour trouver du travail dans mon domaine, la logistique. On n'est pas sur le streaming. Oh, un pistolet. On est sur l'alimentaire. Hein. Pour que je puisse continuer à streamer, il faut que je puisse manger. Il est à travers le plafond. Clé dernier mot de passe. Il est passé à travers le plafond le machin. J'ai même pas tiré une seule balle sur le méchant. N'importe quoi. Ouais, ce serait cool que j'arrive à décrocher ça. C'est, en plus, c'est pour travailler dans l'aéro et tout. Putain, mais c'est quoi tous ces bugs? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Yo, Zouk. La zone, elle est ultra buggée. J'ai entendu une espèce de sous-merde. Bah attends, tu sais quoi? Vu que la voiture, elle a envie de faire la folle. On va la faire péter. Oh! Oh putain, j'ai failli mourir. Oh, imagine, tu te rates à la fin de mission comme ça, là, comme je viens de faire. Ah, ça aurait été trop la haine. T'as les seuls que j'ai fait péter, c'est moi au final. Je suis dégoûtée. La porte, elle a même pas cassé. J'avais la clé! Voilà. Pourquoi t'es couché par terre, toi? Caché, bah... Tu vas crever. Je crois qu'il reste. Bah, pourquoi c'est pas défendu? C'était trop chelou, cette histoire. Cartouche électromagnétique. Ça se trouve, on aurait pu lui parler, genre, ah oui, qu'est-ce que se passe-t-il? Pourquoi tu te défends pas? C'était peut-être une quête. J'ai tué une quête, peut-être. Alors là, je continue pour le plaisir, parce que la quête, elle a été validée. Pour le plaisir de tuer. Oh, muni. Bon, on est pas mal, hein. Bon, ça, on s'en fout. Non, ne m'embête pas, Ada, s'il te plaît. Là, il y a quoi? Alors, vos techniques de... De boîte de conserve, je les connais maintenant. J'ai failli encore mourir sur cette mission. Faut dire les choses, hein. Kaboum! Ah, si je vis l'air de l'explosion, il y en a le plus beau. Ah, mais depuis que t'es là, il y a eu plein d'explosions. Oh merde, il y a encore des gens, des pas gentils. Oh super, tous mes. Ah bah, moi aussi, tiens. Ah mais moi j'ai une excuse, moi je suis pas un ordinateur. Vous savez où ils sont partis? Là je l'ai touché. Donc pour info, pour l'épisode 17, il est prêt. Le fichier est prêt à faire feu sur YouTube. Il va sortir demain midi, je pense, l'épisode 17. Ah! En attendant, j'ai mis l'épisode 3 de Super Geekette pour Seven Days to Die. Et il faut aussi que je mette... bah, je sais pas encore si je mettrai l'Early Access de Builders of Grease. Peut-être, sans doute. Non. C'est pas fini. Continue de te battre, ma cocotte. Je t'ai rien de... Je t'ai pas dit. Ah, sauf Kipou. Ah, j'ai fait un tas de pillards. L'un sur l'autre.
Oh, ralenti dans le dos là. Ah, c'était moche ça. Vous êtes blessée, madame? Non, non, mais je viens de les faire chier là. Bon, je vais pas m'amuser à faire toute la zone non plus. Vous trouvez quelque chose d'utile? Oh là là, il a la tête sur la table. C'est dégueulasse. C'est des malades. Après, on n'a pas découvert de secret en tant que tel. Faudrait peut-être que fouiller encore. On a pas grand chose à fouiller en vrai. Ouais. Vous avez vu, je me retiens, je prends plus tout. Et n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de coffre-fort à forcer. Siaos, des médocs, ciseaux. Dossier, j'ai vraiment hâte de trouver à qui je dois filer les dossiers. Allez, je suis trop lourde. Ah, Ada. Je l'avais oublié, celle-là. C'est avec joie que je vous aiderai si je... Je suis sûre qu'il y a encore plein de trucs sur elle. Bric-à-brac. Ah, faut que je récupère trop de choses sur elle. Les modes, la quantité de modes que j'avais sur moi, là. Choquée. Ah, sauf qu'Hippo, il s'est barré. Mais c'est pas la première fois que je dis que je suis choquée ce soir. Je sens que ça va être le mot de la soirée. Bonjour, messieurs, dames. Comment ça allait avant qu'on arrive? Ada, tu m'as fait peur. Là, il y a... C'est quoi, ça? Terminal. Mot de passe requis, je l'ai. Arrêter la course. Changer d'itinéraire. Changer les paramètres de visée. Désactiver les inhibiteurs de combat. Activer les robots de réserve. Activer l'autodestruction d'urgence. Non. Non, non. Ce sera un coup, genre, tu actives la destruction d'urgence, c'est tout le site qui pète et toi avec. Oh putain, ils sont là. Il y a plein de robots. Ils ont des chambres. Elle, là. Ça, c'est horrible, ça. C'est dur à tuer, ça. Bon, ça, c'est juste normal. Et ça, là, c'est quoi? Qui ce c'est? Bon, c'est bon. Un autre robot, là. Extincteur. Non, on va peut-être pas... Voilà. J'ai fini la mission. On va rendre la mission. Bah, les sous-kipos sont chiants, on peut jamais capturer. Ah, tu crois qu'ils ont un faible taux de drop, hein? Comment c'est... Enfin, faible taux de drop, on dit pas drop pour les Pokémon d'ailleurs. Taux de capture. Voilà les amis, j'arrive. Hein. Mais à la base, je faisais pas cette mission-là, si je me souviens bien. À mon avis, je devais avoir plusieurs marqueurs de pingé. dans le sable. J'ai cru que ça fonctionne, ça, oui. Sans pas la nuit dernière. Tout va bien. Je pensais à la fille Abernathy et à ce que je ferais si je vous ai débarrassé de ces pillards. Voilà. La meuf qui coupe la conversation. C'est le genre de nouvelles que j'aimerais entendre plus souvent. Au fait, ah d'accord. On a discuté entre nous et on a décidé de soutenir les miliciens. Merci. Ça vaut la peine de vous donner une deuxième chance. Une deuxième. Si on veut que les choses s'arrangent, il faut qu'on s'entraide. Il y a Ada qui vient de piétiner un gamin derrière. On vous laisse une chance. Ah, par contre, on piétine le gosse. Notre ferme ne paye pas de mine. Hé, les geekettes, comment ça va bien? Merci pour le raid. Elle lui a monté dessus. Merci pour le raid. Merci pour le raid. Vous étiez sur quoi? Ça commence bien. Hé, Yasmo. Je m'en fous, mais ça fait pas longtemps que j'étais sur un atelier de chimie, donc j'ai fire pour ton level up. Récupère mon fichier, vite fait. Zerbardi. Attends, faut que je choisisse ma mission, moi. De Ring. Et ça s'est bien passé la soirée. La patrouille perdue. Et ouais, je savais que... Parler à Preston. Ah. Ça va faire compliqué. Preston, il est à Sanctuary. Sanctuary. Oui, j'ai mon évolution finale. Hein? Ah, Subnautica, trop stylé.
Fallout 4, encore un jeu que j'ai arrêté parce que j'avais trop peur. Non, t'es capable. T'es carrément capable. Ah, Subnautica, c'est super cool comme jeu aussi. T'es sur le deuxième ou le numéro 1? Putain, je parle super fort. Je m'en rends pas compte. Heureusement que je suis toute seule à la maison, là, ce soir. J'avais pas fini le 1. Bah, pour le coup, le 1 me fait flipper. Hein. Level 36. Ah, mais oui, c'est vrai. Oh, bah, t'en es loin. Hein. C'est bientôt VIP, Fire, au niveau 50. Ici, là. Tac-tac-tac, du gendarme. Ada? Mon petit sac à dos ambulant. Viens là, ma grande. Eh. Hey. Oui. Bien sûr. Ah, oui. Non, les infectés, ils courent. Subnautica, Bilo 0 par ici. D'accord. Subnautica, j'étais pas bien par rapport à... Ah, je pense que j'ai un petit... C'est thalassophobie, on dit. Hein. Je pense que j'ai un petit coup de thalassophobie parce que je suis vraiment pas bien quand je sais pas ce que j'ai sous les patounes. C'est vrai, les ghouls, elles te courent dessus. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Mais les ghouls, elles les appellent les zombies aussi. Oui, c'est ce que j'ai que comprendre. J'ai fait le lien, du coup... J'ai compris que ça parlait de ça. Qu'on parlait de ça. Attends, j'ai plein de trucs que je pourrais. Après, il y a des moments où je fais pas la maline dans ce jeu. Hein, parce qu'il y a eu un truc où justement j'étais dans un magasin de comics. C'était la quête de Feverhood, pour ceux qui savent. Magasin de comics avec plein de ghouls et tout. J'étais pas bien. D'accord, qu'en termes de respiration, c'est showtime. Ouais, en plus. Oui, t'as ce côté-là. Je sais pas si t'es comme toi. Comme moi, pardon, mais dans les jeux vidéo ou dans les films, quand je vois des personnages qui doivent retenir leur respiration, je m'imagine à leur place et je fais une crise d'angoisse parce que je serais incapable de faire ce qu'il faut. D'une colonie qui a besoin de nous. Profitez-en pour proposer de l'aide à tous ceux qui en ont besoin. Ça ne peut que servir notre cause. Bah, tu peux éviter de partir alors qu'on n'a pas fini de parler. On a un problème dans une de nos colonies. Ah merde. On dirait qu'ils ont affaire à des pillards. C'est l'occasion de montrer à tous que l'union fait la force. C'est ballot à Bunker Hill. Genre ils ont besoin de moi à Bunker Hill, ouais. La blague, et ils ont des super grosses armées. L'autre jour j'avais une mission, prennent Bunker Hill, c'est même eux qui m'ont aidé pour ma mission. Et ça me fait penser à un film, un très 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 vieux film, et ça avait marqué parce que j'étais jeune quand je l'ai vu. Pas obligé de RP l'apnée. Non mais ça me met le stress. Et c'était The Subway, je crois. Si je dis pas de conneries, ça se passait dans un tunnel dans je sais plus quelle ville américaine. Et c'était qui l'acteur principal? Si vous avez alors si je vous donne pas l'acteur principal, si je vous donne pas quasiment pas le titre du film, un film des années 90. Non mais oui, je peux respirer pas beaucoup. Les ghouls dans Vampire la Mascarade, c'est des personnes dont tu bois le sang régulièrement sur ton frigo, quoi. Du coup, j'arrive pas à rajouter que dans Fallout, c'est autre chose. En fait, c'est pas des ghouls dans Vampire, c'est des gourdes. Comment ça, je suis loin du level 50 dans le milieu du RPG, on appelle le farmer chinois. Ah bah, plus tu parles et plus tu es présent, plus tu récupères de points. Et pour info, les abonnés récupèrent deux fois plus de level up que les autres. C'est le système de rank qui est fait comme ça. Patrouille perdue. Au terme d'entraînement de la garde nationale, trouver le reste d'un chevalier, possible de ce qui est arrivé au reste de son unité de connaissance en fouillant les environs. Ouais, j'ai perdu mon repère avec ça, j'ai l'impression. Bah, au pire, hein, si j'ai perdu la mission, on change de mission. Je vais pas vous emmerder avec ça. Qu'est-ce qui vous plairait? Est-ce qu'on... Non, le mécaniste, j'ai dit qu'on tenterait ça dans une demi-heure, quoi. Ouais, c'est point d'exclamation rank, si je dis pas de conneries. Ouais. Et donc le film, c'est ça, c'est il y a un tunnel qui passe sous l'eau. Et genre il y a une explosion dans le tunnel. Ah, ça fait longtemps que je veux éliminer le chasseur de Battlezone Robco là. Donc il y a une explosion dans le tunnel. Ouais, t'es 9e à ce moment, trop stylé. Et du coup ils sont obligés d'être... Ils se trouvent submergés en fait parce que bah, l'eau au-dessus du tunnel commence à s'engouffer dedans et tout. Oh là. Et il y a un moment donné où ils doivent passer... Attends, c'est pas du DLC ça? Ah si, c'est du DLC je crois. Il y a un moment donné où ils doivent passer dans un... dans une partie submergée. Et il y a un couple de vieilles personnes, il y a un chien et tout. Et à chaque fois je suis pas bien.
Et c'est là où je me suis dit, bah purée, voilà, je vais faire ma mission avec Dance, ça fait un moment que je suis pas allée. Et là, je me suis dit, mais purée, je serais incapable, en fait. Ce passage-là, je l'ai fait quand j'étais jeune, à retirer ma respiration et tout. Sachant qu'en plus, tu nages, tu bouges, en fait, tu consommes. J'ai eu un TO de 5 secondes. Un time out ? Non, c'est la commande qui a un time out, c'est pour pas que les gens le spam. Bah, je suis pauvre, donc je go en free-to-play, je connais pas le donjon Paypal. C'est pas par Paypal, les abos. Toi, je sais même pas si tu peux utiliser Paypal pour les abos. Ouais, non, c'est... Non, t'inquiète pas. Le time out, c'est pour la commande. T'inquiète pas, tout va bien. Tu te fais pas, tu vas pas te faire kick. Daylight, est-ce que ce serait ça? Ah, c'est possible. C'est qui l'acteur principal de Daylight? Un brun là qui a fait Rocky, je crois que c'est lui. Le brun qui a fait Rocky. C'est une honte que je connaisse pas son nom. Mais je crois que c'est Daylight. Stallone. Oui, Sylvester Stallone. Je crois que c'est Stallone dans Daylight. Avec sa grosse voix. Genre, lui est-on trouvé un passage. C'est ça. Ça fait trop longtemps que je suis coincé ici. Paladin. Il y a toujours une place pour vous dans la confrérie. Hop, si c'est trollé. Ce que vous voulez. Allez, vas-y. Ce serait un honneur de rejoindre la confrérie. Alors, je fais partie de tout le monde maintenant. Hélène, Rhys, souhaitez la bienvenue à la nouvelle recrue de la confrérie. Elle a déjà fait ses preuves sur le terrain. Je bouffe à tous les râteliers. Si bien nos enseignements, je suis sûr qu'elle sera plus à l'avenir parmi nous. Blague. C'est seulement parce que j'adore vos uniformes. Ah oui ? Moi qui croyais que vous vouliez vous engager pour donner un sens à votre vie. Vous avez décidé de rester finalement ? Je pensais que vous alliez juste empocher votre récompense et faire vos adieux. Oh, lui, il fait penser à un des méchants de réponse. Un des jumeaux. Ça ne vous plaît pas que je me joigne à vous? Pas trop, non. On a déjà assez de soucis avec les mutants et les ghouls. J'ai pas besoin de quelqu'un en plus à surveiller. Rhys, ça suffit. Vous allez devoir apprendre à travailler ensemble, que ça vous plaise ou non. Et vous, vous allez devoir comprendre ce que rejoindre la confrérie implique. Nous ne sommes pas une bande de soldats. Oh, cet angle! Nous sommes une armée disciplinée, soumise à un code moral des plus stricts. Si vous voulez rester parmi nous, vous devrez suivre nos préceptes à la lettre. Désolée. J'ai pas pu me concentrer sur son discours, étant donné qu'il y avait le linteau de porte. Ah, la technique des trois coquillages. Putain, faut trop que je revoie ce film. Attends, c'est quoi le nom de ce film? La technique des trois coquillages. Il est refait en plus, ce film. Non, c'est pas Minority Report. Je vais me faire éclater. Vous allez m'apprendre votre code moral? Si vous avez écouté un minimum, la mission ArcJet devrait déjà constituer un avant-goût significatif. Le reste viendra rapidement. Demolition Man? Non, c'est pas Demolition Man. Je sais que vous avez hâte de rentrer dans le feu de l'action. Alors j'irai droit au but. Ce que j'attends de mes subordonnés tient en deux mots. Respect et honnêteté. Les films des années 90, c'était les meilleurs. Et vous y restez. Je vous donne un ordre, vous le suivez. Bah merci beaucoup, des bisous tout le monde, passez une bonne soirée. Bon gros dodo et merci encore pour ton raid, ça me fait plaisir, merci pour ta confiance. Grade de chevalier. Attention, rien ne sera officiel tant que vous n'aurez pas parlé à l'aîné Maxon. C'est dans Demolition Man. Je ne pouvais pas résister à l'envie de vous l'annoncer. Ah ouais? Moi je croyais que c'était genre un film de science-fiction. Demolition Man, c'est pas science-fiction. Pour moi, c'était dans le même film que la meuf au 300. Mais je confonds. Ça veut dire que je suis membre de la confrérie, maintenant? Absolument. En ce qui me concerne, en tout cas. Ad victoriam, chevalier. Elle sait même pas ce que ça veut dire, Hélène. Ad victoriam, ça veut dire vers la victoire. C'était dur à comprendre. Pour l'avenir de l'humanité, le mot défaite ne fait même pas partie de notre vocabulaire. C'est possible. Notre cri de ralliement est plus fort que toutes les armes du Commonwealth. N'oubliez jamais ça. J'ai reçu des ordres. Nous devons nous présenter tous les deux à bord du Pridwen. Mais avant, n'hésitez pas à accomplir quelques missions pour le scribe Hélène ou le chevalier Rhys. Votre aide sera la bienvenue. C'est à vous de décider. Prévenez-moi quand nous pourrons partir. Encore plus de missions. Aider l'unité de reconnaissance de la confrérie. Tout le monde se casse? Réponse, je me souviens que du cheval pour une fois qu'il meurt pas. Ah ouais, c'est clair. Le cheval, il est trop génial dans Réponse. Mais ils sont sérieux les personnages ce soir là, il était carrément monté sur le bureau. Ils sont fous. Après il m'a dit qu'il fallait que j'aide les autres. Ah oui, ça c'est Ada, elle fait partie de mon équipe. Je leur ai piqué de la drogue.
Excusez-moi, scribe Hélène. Qu'est-ce qu'il y a? Un parasite sauvage apparaît. Ah! Pourquoi il me déteste? J'aimerais bien qu'on trouve un terrain d'entente. Rhys ne s'entend qu'avec lui-même. Rhys ne vit que pour la confrérie. Elle est sa famille. Toute sa vie, même. Rien d'autre ne compte pour lui. Et si quelque chose le gêne, il le pousse hors de son champ. Je m'en fous de lui, moi. Sans ménagement, comme vous avez pu le voir. Il y a quelque chose entre vous deux? C'est Rhys qui a été mon mentor. Il m'a prise sous son aile et il m'a tout appris. Les gossips. J'ai cru les gossips. Qu'il y avait plus que ça entre nous, alors. Je lui ai demandé s'il pensait de même. Casse-toi, gros cul. Seule la confrérie de Lasky est comptée à ses yeux et qu'il n'y avait de place pour rien d'autre. T'es en plein milieu de l'écran. Depuis, on n'a plus jamais évoqué le sujet. Bon, je dois me remettre au travail. Si l'attitude de Rhys vous inquiète, continuez juste à faire votre travail. C'est une blague. Il finira par changer. Coucou Baril, comment ça va? Alors, vous vous sentez d'attaque pour votre première mission? Je sens que la confrérie de Lasky, c'est des champions. Qu'est-ce que les scribes font pour la confrérie, au juste? On fait tout le nécessaire pour permettre aux pilotes et aux soldats de mener leurs opérations. J'ai failli. Scientifique, réparation, planification tactique. Bah ouais, ça va tranquille. Et j'en passe. En bref, tout l'aspect technique. Moi, je suis scribe de terrain, ce qui veut dire que j'opère au sol avec les soldats. Et ça ne me déplaît pas de me battre, de temps en temps. Enfin, bref. Je vais pas vous ennuyer avec tous ces détails. C'est bon pour votre prochaine mission? Là, je suis en train de glaner des missions de la confrérie de l'acier. Oui. Excellent. Je vais vous expliquer de quoi j'ai besoin. L'une des principales tâches de la confrérie consiste à récupérer et à préserver la technologie perdue lorsque les bombes sont tombées. J'ai une liste de lieux où ont été aperçus des artefacts qu'il faudrait que vous récupériez, que nos scribes puissent les étudier et les cataloguer. Tenez, voilà qui devrait vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin pour trouver le premier. Bonne chance et faites attention. Arrête de passer devant, c'est pas vrai ça. Agro, comète, Arthas. Ah oui, Arthas. J'avais oublié lui. Ablette, les chevaux dans Red Dead Redemption. Je suis sûre qu'Epona a fini dans une bouche de chevaline, c'est méchant. Non, elle a fini dans des lasagnes. Bon, allez, crachez le morceau. À quoi vous jouez? Pareil. Hein? Qu'est-ce que vous racontez? En général, un coup d'œil me suffit pour jauger quelqu'un. Mais avec vous, c'est différent. Et franchement, je déteste ça. Vous n'êtes pas un soldat, plus un loup solitaire. Ouais. Alors je me demande pourquoi vous êtes toujours là. Quel intérêt de rester alors que vous avez eu ce que vous vouliez? Qui pour la thune? Je veux aider la confrérie à détruire l'institut. Pour le coup, je reconnais que c'est... Écoutez, je vais y aller mollo avec vous parce que Dance vous fait confiance. Mais si vous faites le moindre écart et que vous mettez mes frères et mes sœurs en danger, croyez-moi, vous le regretterez. Alors, cette mission, on peut l'envisager, oui ou non? C'est quoi votre problème? Mon problème, c'est que je n'arrive pas à... Ah, l'autre, il est encore là. Vous sortez de on s'en fout, vous c'est bon. Quelques boules sauvages, et d'un coup, le paladin d'Ence et vous êtes les meilleurs amis. Ah, c'est pas faux. Je ne sais pas si vous prenez votre boulot pour la confrérie au sérieux, ou si vous jouez simplement la comédie en attendant de trouver ce que vous cherchez. Bah oui. Quoi qu'il en soit, comptez sur moi pour vous avoir à l'œil tant que vous n'aurez pas accompli quelques-unes de mes missions. Et maintenant, vous allez pouvoir y aller, oui ou non? Oui, bon, écoutez bien. Que ça nous plaise ou non, l'une de nos missions principales consiste à exterminer les saletés. Et qui les chevaux, ils partent à la boucherie, sont beaucoup trop jeunes. Je parle des mutants, des ghouls, des synthétiques. Toutes ces abominations créées par ces scientifiques à la manque et leurs petits joueurs. J'ai les trois à l'écran, là. Cette mission est on ne peut plus simple. Je vous désigne une cible et vous éliminez tout ce qui rôde là-bas. Tous les détails dont vous avez besoin sont ici. Ne revenez pas tant que le boulot n'aura pas été fait. Il a fait disparition. On a souvent du mal à trouver. Alors, purge du Commonwealth. Ça me plaît bien, la purge. Mais c'est d'autant plus satisfaisant quand ça arrive. Plus je peux squatter l'ordi. Journaux personnels, sérieusement? Non, je lis pas ton journal intime, pas du tout. C'est même pas vrai. Bah ouais, c'est bon, ouais. Là, j'ai toujours dit, je mange du cheval, mais... que ceux que je connais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, état décédé, super! T'es actif. Décédé, ok. Brack, décédé. Warwick, décédé. Elle est vivante. C'est... ouf! Dis! Je suis pas du tout en malaise, là. Je suis désolée, j'ai partiré mon mic pour boire, en fait j'aurais dû. Parce qu'en voulant pas faire de bruit, j'ai failli m'étouffer.
Putain, je fais n'importe quoi avec mon micro sort. La douche vient, quand on reçoit un ordre, on l'exécute. Oh, hé, hey, ferme ta bouche. Je t'ai rien demandé. Purge du Commonwealth. Ah, c'est juste à allez, côté. Secouez-vous. En plus, c'est des missions du début. À mon avis, c'est easy peasy. Et là, je vais me faire défoncer. T'as pas entendu glou glou glou? En fait, ça a failli faire. Déjà, je pensais à mon ventre, puis après à l'animal. Ouais. Non, mais j'ai. C'est vrai que je suis sensibilisée au bien-être animal quand même. Et. Et c'est vrai qu'il y a certaines conditions. Je, par exemple, les conditions d'abattage. Je suis pas bien. Je suis pas bien quand je vois les vidéos. Quand je suis sur l'autoroute et que je croise un camion. Ah ouais, je vous avais pensé. Vous trouverez un article. Le jour où j'ai pris la route, mercredi dernier. Ah, c'est Babe. Ah oui, ce film, c'était trop bien. Mercredi dernier, j'ai pris la route. Mercredi matin, très tôt. Et j'étais sur la 13. Et en fait, la 13 direction Rouen était bouchée à un moment donné. Enfin, était coupée. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle la 13 mercredi dernier a été coupée? Je vous laisse 5 minutes, vous me direz si vous avez entendu parler de ça. Oh, des ghouls, super. Pilote aimé tout à côté, super génial. Oh, joli ça. Miam, un film sur un cochon. C'est un film cochon. Non, c'est lié à des animaux, puisque justement on en parlait là. C'est un film cochon, babe. J'aime bien. Mais elles sont beaucoup. Ah, mais c'est que la mission c'est à nettoyer, donc forcément elles sont beaucoup. Est-ce que ça va être des boules? Je serais pas mieux. J'ai plus de mini, c'est ça? Non, je suis deg. Et bah, en fait. Ouais, t'inquiète. Il s'avère qu'un camion s'est renversé sur le bord de la 13. Et carrément une grue qui est venue pour comment dire, pour le remettre debout. Et c'était un camion qui transportait 4000 poulets. Du coup, il y a eu un lâcher de poulets sur la 13. Et apparemment, ils ont galéré pas mal pour tout récupérer, quoi. Les pauvres petits poulets. Et sincèrement, hein, j'espère que ça a fait comme les homards du Titanic. Où ils ont réussi à s'en sortir. Qu'il y en ait quelques-uns qui aient réussi à s'échapper, tu vois. Parce que il y a une phrase qui me fait beaucoup rire, c'est ne perdez pas espoir, pensez aux marres de Titanic qui ont réussi à s'enfuir. Eux, ils pensaient que tout espoir était perdu, en fait, non. C'est horrible dans l'idée. En même temps, le Titanic, je vais dire, est-ce que c'était une faute humaine? Chicken Run, mais oui. J'ai eu le haut bordel. C'est trop ça, c'est haut bordel. 4000 ou 4500 poulets, les journalistes, ils s'étaient pas trop mis d'accord. Et ça m'a coupé la route pendant longtemps. Hein. J'ai mis du temps à retourner sur le... J'ai dû perdre au moins une demi-heure, trois quarts d'heure avec ces conneries. Mais quand j'ai appris la raison pour laquelle la 13 était coupée, j'ai trop rigolé. Et c'était Chicken Run. Si Chicken Run, ils ont annoncé une suite d'ailleurs, ça me fait penser. Tu es un poulet, c'est 80 ans de malheur de ce qui arrive. Oui, les gardes, ils te sautent dessus. S'ils sont encore là, nous les trouverons. Ah, ça me fait penser que... Elle a tiré sur quoi? Ah, sur une boule, forcément. Ça me fait penser que le pack dans lequel j'ai eu Fallout 4, c'était un pack Fnac, à l'époque où la Fnac faisait des bons packs. Parce que je crois qu'ils en font plus. Oh, hey, regardez ce que j'ai trouvé. Ah non. J'ai pas réussi à courir. Je l'ai trouvé, mais ça a explosé. Je voulais la désamorcer. C'est Ada qu'on a vu voler? Ah, j'ai réveillé ma chienne. Genre, elle est sortie de sa bannette, elle m'a regardé, elle me fait « Mais pourquoi tu cries comme ça ?» Oui, bah pardon. Je fais ce que je veux. Avec mes cheveux. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais juste avant que j'ai eu un problème? Ah oui, le pack Fnac. Ou Link qui tape un poulet qui ramène je sais pas combien. Ah, j'ai jamais fait ça. Le pack Fnac dans lequel j'ai eu l'édition GOTY de Fallout 4. Donc déjà, le pack à 30 balles, je crois. Hein. 30 balles, 3 jeux. Et bah dedans, il y avait mon édition de Monster Hunter World. Et il y avait, roulement de tambour,
une édition de Skyrim. Donc j'ai Skyrim aussi à faire. Skyrim où je vais passer aussi 10 000 ans à y jouer. Là-bas. Les poulets dans les jeux vidéo, c'est jamais une bonne idée. Putain, les militaires d'ailleurs. Oh. Désolée pour vos oreilles. Je me suis fait surprendre. Eh, faut que j'arrête de lire mon stream, mais en même temps on est là pour ça. Oh. Je pensais que c'était une quête à la cool, moi. Tu m'avais dit que c'était une balade. Tu m'avais dit que c'était un truc tranquille. Ah, ventilateur. Je laisse Ada se battre, c'est bien. Tu m'avais dit que c'était une balade. Je viens de me faire un vieux coup de stress dégueulasse. Dégueulasse le coup de stress. Y'a pas que les gardes, crois-moi, tout le monde qui te saute à la gorge. Ah, c'est ça qui est pas passé dans la modération. Bizarre. Juste pour un poulet. Resident Evil 5, tu es en mode mercenaire. Tu tues un poulet, tu fais pop un boss. C'est abusé. Bon, allez, faut que je me concentre parce qu'on est dans une zone goulesque. Y'a des crânes là, ouais. J'ai une mission à faire, parce que là ça papote et ça se concentre pas sur la mission. Je suis avec vous, là je vous papote et... Enfin, c'est tout l'avantage de faire ce jeu en stream aussi. Ah! Non, c'est une copine. T'es vivante, hein? Ah non, t'as plus de tête. Ah bah t'as plus de bras non plus, tiens. Il y a un point rouge. Ah! Ça grogne. C'est où, ça grogne d'où, là? Oh! Joli. Bon, laisse-moi loot le cadavre. Spatule. Et l'autre, c'est elle qui fait tout le boulot. Vous avez vu, hein? C'est une honte. Moi, je fais que fouiller. Fouille, 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 fouille. Attention. Il y a un ennemi pas loin. Je papote, mais ça fait X, ça fait plusieurs fois où je lâche des méga cris parce que je fais pas gaffe. Les gardes, ils ont pris une flèche en genou quand ils étaient aventuriers. Juste pour un poulet. En fait, tu dois faire des dodos, faire dodo des manifestants espagnols qui t'insultent. C'est vrai que t'es un peu dans des villages espagnols, c'est ça le 4. J'ai kiffé, c'est le 6. L'ambiance, tout, la partie duo. Non mais... Non, non, non! Allez, je refais. J'étais entre deux plaques, entre deux... Voilà. Bon, ma mission, maintenant. Parce que j'ai une mission. Ouais, dans le village espagnol. Je me rappelle juste d'un truc de Resident Evil 4, c'est quand je devais me cacher dans une maison, qu'ils attaquaient de tous les côtés là. Oh là, j'étais pas bien. Pas bien du tout. Ah, un magasin d'électroménager. L'argent d'avant-guerre qui est plus court. Maintenant que je ramasse de l'argent d'avant-guerre, ça me fait penser à la monnaie dans Seven Days. Je suggère de prendre tout ce que nous pouvons. Quand avec Célessane, on voulait s'acheter un filtre à eau pour boire. Parce que quand on n'a pas vos caisses de ravitaillement, c'est la galère de trouver à boire et tout. Et on devait acheter le filtre à eau à 2700. Et puis à un moment donné, bah moi j'étais en train de faire le ménage dans l'inventaire et tout. Puis je vois des jetons de casino et tout. Bon, c'est quand même chelou ce truc. Je fais fondre, tu vois. En Espagne, ouais, je l'ai fait le 4, mais il y a très très longtemps, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Et donc, j'ai fait fondre tous nos jetons de casino. En me disant pas que c'était quelque chose d'important, tu vois. Ouais, les jeux de casino, les jetons de casino, c'est la monnaie du jeu. Ce qui fait que j'ai fait fondre toute notre thune. On s'est retrouvé à zéro de thune, obligé de refaire l'émission pour le marchand, pour refaire de l'argent, parce qu'on pouvait plus acheter le filtre à eau. Système Léon, go faire le 4 original et R2 original, pas les remasters. Ah! Parce que le 1, j'ai acheté le remaster pour le 1. Ça me paraissait plus simple. Parce que là, le programme, pour ceux qui savent pas encore, c'est Fallout 4, Resident Evil 1 Remake,
Et ensuite, Crisis Core. Ah, j'ai pas déposé mes mods, je crois. Encore. Donc on en a un pour un moment. Sur pour les jeudis et dimanche soir, et ça va être je pense que ce sont des jeux de qualité. J'ai recyclé le pognon, ouais. Exactement. Parce que on a redémarré le jeu. Oh dégueu. Ah, oh, ça a bougé. On a redémarré le jeu. Et puis Célestine me dit enfin je lui dis, parce que du coup c'est pas moi qui gérais l'argent. Heureusement. Bah si les remakes passent bien, ça va alors. Un cravagard. Donc c'est pas moi qui gérais l'argent. Et puis je dis à Célestine, c'est bizarre, j'ai zéro sur moi en argent. Mais moi, à la rigueur, c'était pas si bizarre que ça. Et lui, il me dit, bah moi non plus, j'ai plus d'argent en fait. Et dans le coffre, il y en a plus. Il y a plus que du laiton. C'est bon. J'ai dit, c'est normal qu'il y ait du laiton vu que j'ai recyclé les jetons de casino. Et c'est là où il m'a dit, non mais les jetons de casino c'est notre argent. J'ai fait... Je comprends mieux pourquoi c'est pas toi qui gérais l'argent. Ah, je préférais pas. Eh bah la preuve, j'avais raison. Et je comprenais pas pourquoi des fois j'avais de l'argent, d'autres fois non. Ah bah maintenant je comprends mieux. Ah, je suis déjà passée par là. Je pense que j'étais trop lourde et j'ai lâché plein de trucs. C'est bien beau, mais je cherche les entrées, moi. Ah, voilà, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Il suffisait que je me concentre 2 minutes, tu vois. Allez, crabagard, c'est pareil. Je récupère mon fichier. Ah, je suis désolée, ce soir, ce sera un épisode papote. J'ai envie de papoter. Ça papote, ça papote. Là, ça va moins papoter, parce qu'il faut que je nettoie un truc, là. Sinon, t'as une démo jouable du 4. Mais le 4, je l'ai, hein. Sur la PS3, je crois. Il y a du papier pour le feu, les billets qui crament. Mais dans The Forest, tu fais cramer des billets pour te réchauffer. Mais non, mais j'avais pas compris. Bah maintenant, je sais. Mais j'avais pas compris. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre quel était l'argent dans Seven Days. J'ai pas envie qu'ils se lèvent tous d'un coup, là. Pourquoi la porte... Ah non, c'est les autres missions. Y a-t-il eu du mouvement ou était-ce un effet d'optique? Tu vas pas me faire flipper toi aussi, t'es mignonne, mais t'es mignonne, mais t'es une toute petite bretonne. Là, je me sens pas bien. Ça y est, ça commence. Oh non, non Ada. Oui, tu peux utiliser à la fin, je crois, mais pas le remake du coup. Et donc, ça vous plaît le programme qui est prévu? Attends, je suis en train de sautiller alors que. Fallout 4, déjà c'est un vote de la commu. Vous avez très bien voté. Excellent goût. Ah mais... Eh, si tu m'empêches de loot, je te jure, si tu te mets entre mon loot et toi, et moi, tu joues avec ta vie. Moi je te démonte. Et je vais vraiment te démonter, c'est un robot. Ah mais... Qu'est-ce qui a cassé encore? C'est pas la bonne arme à l'intérieur, là. Pistolet? J'ai pas beaucoup de mini. J'ai pas peur! Ah, elle te démonte aussi. Ouais, je crois. Ah, bah, j'avais. Putain, m'a tout mis à côté. Et merde. Ah, j'aurais mieux dû mettre des mines. Attends, il est encore temps. Mais il faut que je mette des mines, mais sans mourir, donc pas trop proche. C'est retourné la mine. Ça, dans la vraie vie, t'explose. Ah putain! Désolé. Je suis trop une fragile ce soir. Elle est où la mine que j'ai lancée? Elle est là. Ah, elle m'a fait peur le bruit qu'elle a fait. Là, on entend du twing, twing. Le train à destination de Tu vas bien te crever va arriver. Je déteste les ghouls. Fallait qu'on en parle avec le super geekette. Du coup, c'était Laurie ou Marion? Parce qu'il y en a une des deux filles qui est moins flippette que l'autre.
Je crois que c'est Laurie la guerrière et Marion la moins guerrière. C'est ça ou pas? Marion? Ouais, c'est Marion, c'est ça. Hein. Ah, je crois que j'ai suivi. Et donc en plus, si jamais j'arrive à participer à la ZLAN, si je suis retenue, c'est à Montpellier que ça se passe. Ça peut être une occasion de voir les filles qui sont dans ce coin là, si je dis pas de conneries. Hein? Ma... L'activité suspecte, c'est un gros robot, c'est des ghouls, c'est dangereux. Donc ouais, ce serait vraiment trop cool. Ouais, t'étais pas là, c'est bon, quand j'en ai parlé. Il va y avoir des annonces de la ZLAN. Ouais, mais... Ah bah non, Toulouse et Montpellier, ça va pas ensemble, je suis con. Ah bah non, mais ça marche pas, alors. Ah, ça avait peut-être dû faire le déplacement pour un salon à Montpellier, non? Ah non, c'est Toulouse, les filles, d'accord. Bon bah, autant pour moi. Ce sera une autre occasion, Toulouse Game Show, pourquoi pas. Hein. Ah bah, je suis trop lourde. Hey. Oui. À votre service. J'essaie de voir la web série au fait, mais ça démarre que du 6, les autres j'arrive pas à les trouver. Ah mince. Le jour où je vendrai toutes mes armes que j'en trouve, je vais me faire les couilles en or. Ah bah tiens, jetons de métro, mais là c'est pas pareil, c'est des jetons de casino. En plus, le Toulouse Game Show... Toulouse, c'est à combien de temps de Nantes? Ah, je crois que c'est 5-6, bien 5-6 heures. Ah, les 5 premiers sont strike pour les droits d'auteur. Oh, putain, ils s'abusent. Carrément strike, ils lui ont même pas, ils leur ont même pas laissé la possibilité de couper le segment de musique ou quoi. Génial. Ah, j'ai cru que c'était un cul-de-sac. Oh... Oh, quoi? Oh, magazine! Ouais. Oh, trop bien! Oh, les compagnons infligent 5% de dégâts supplémentaires! Bonus permanent! Et Arcal, comment ça va bien? Ah, un code! Bah, tu sais quoi, je fais flemme! Je veux dire, ça fait longtemps que j'en fais plus les codes depuis que j'ai Ada! Ah, mince! Attendez là! Je m'en charge. Attends, j'arrive pas à le faire faire. Allez. Aucun problème. Tu penses pouvoir débloquer ce terminal? Voilà. Bah ça va tranquille. Trop vieux et trop temps. Autrement, ils sont passés en masqué, d'accord. Oh. Moi, je suis contente que ça fasse plaisir. On n'arrête pas de papoter depuis tout à l'heure. On n'arrête pas de faire des explosions. Il y a des... Y a... Épisode 18. Il y a du cri. Il y a du sang. Il y a de l'explosion. Beaucoup d'explosions. On croit un film de Michael Bay. Ça a jamais marqué, ça a marché, sa secouriste. J'ai essayé de l'activer le protectron en secouriste. Mais ça marche jamais, genre. Là, il est censé être secouriste. On verra si ça marche. Donc là, je dois descendre là, j'imagine. Ok, il y a un passage ici aussi. Il est très vert aussi cet épisode. Très vert l'épisode de quoi, Fallout? En termes de colorimétrie? Pas de Valheim demain? Si, bien sûr, du Valheim. Pourquoi il n'y aurait pas de Valheim demain? Regarde, c'est parce que j'ai ma lampe torche. Tout simplement. Benchou! Qui serait à bonne 60e mois d'abonnement? C'est beau! C'est beau! Comment ça va, Benchou? Ah, y a des ennemis. Oh, y a des ennemis. Ça fait pas d'ennemis. Attends, elle est en train de se barrer, du coup, je vais la perdre. Mais oui! Regarde! Boum! C'est magique! C'est l'arme torche! Suffit de demander. Tu m'étonnes que t'as l'impression que le jeu il soit vert tout le temps. C'est la lampe torche, je suis souvent avec la lampe torche. Ça, c'est de la fidélité. C'est marqué Europa sur le planning.
Donc il faut que je mette à jour, effectivement, le planning, le programme Twitch. D'ailleurs, j'ai même pas fait de programme pour cette semaine. C'est vraiment une catastrophe. J'ai honte sur moi. C'est une honte, je ne suis pas à jour. Donc ouais, faut que je retire Europa et que je mette Valheim à la place. Ah. Comment ça, Benchu? Ah, donc faut que je m'occupe de ça après. L'ordi est encore allumé, donc ce sera l'occasion. Comme ça, je vais sortir l'épisode 12 qui sera en ligne demain midi. L'épisode 12, n'importe quoi. L'épisode 17 de Fallout. Allez, éclaté direct. Bah, je vais essayer en tout cas. Bon, justement, on parlait avec Fire des jeux qui pourraient être à maîtriser pour avoir une petite chance. Ouais, ça fait un moment, la 60, c'est énorme. Oh, ça nous rajeunit pas tout ça. Et il m'a dit que potentiellement, j'espère qu'il y aura du Fall Guys, il y aura du Trackmania que j'ai déjà fait. Il y aura du Overwatch. Ah, j'ai déjà fait, mais pas maîtrisé non plus. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Trackmania, Overwatch, ce serait une chance pour moi. Fall Guys, je croise les doigts. Et il y a 4 jeux, je crois. Quatrième, je sais pas. Mais on en saura plus le 6 avril. Donc, j'essaierai de vous partager les infos à partir du 6 avril sur les réseaux sociaux et le Discord. Et puis, surtout, s'il y a des entraînements, ça va. Si je m'entraîne spécialement pour préparer la ZLAN, et bah, il y aura. Le planning de stream va être un peu chamboulé. Voilà. Tu connais 2-3 adresses sur place? Ah bah trop bien, comme ça j'aurais pas besoin d'hôtel. Ça c'est trop bien ça aussi, dis donc. J'ai regardé, la ZLAN se passe 10-11-12 mai 2024. C'est pas sur un week-end où j'ai mon fils. Qu'est-ce qu'il a dit? Faut pas toucher les rails, c'est ça? Ah puis c'est toujours plus convivial si effectivement je suis avec du monde qu'à l'hôtel. Bah j'ai touché les rails, je suis pas morte. Lol, loli lol. Ah, il y a un passage ici. Est-ce qu'elle est en train de bouffer un cadavre? Dans le fut. pour la bouche, pour la horde. On dit pour la douche, à la rigueur. Alors, si je passe par là... Je suis à 1h30 de Montpellier au besoin. Ah, carrément, ce serait trop cool. Mais ce serait l'occasion aussi de se faire une rencontre sur Montpellier. Ah. Il y a un monsieur dame qui a pas l'air de se sentir très bien. Ça tire d'ailleurs. Peut-être un membre de la confrérie qu'on va pouvoir sauver. Là, je suis en. Je joue pour la confrérie là. J'ai Bonne Jovie en tête. Give love a bad name. Je la connais pas celle-là. Uniforme de facteur. Bah, super utile pour la survie. L'inventeur de l'épingle à cheveux. Qu'est-ce qu'il dirait? Et ouais. T'imagines, t'es en train de vivre une aventure, c'est ton personnage qui se fait taper, qui est en train de pleurer dans un coin. Bah ça c'est moi. Oh là là. Alors je pleure mais je tire. Hein. Je pleure mais je tire. Hein. Ouais, on va dire que je suis très expressif ce soir. Je sais pas ce que j'ai. Cette zone est pacifiée. Pacifiée, je suis pas sûre. Ou alors j'imagine bien aussi genre courir partout, ne pas regarder, fermer les yeux en courant. Ah, putain, c'était quoi ça? Mais Ada, t'as fait quoi? T'es sérieuse? T'as fait tomber un mur ou quoi? Fais attention avec ton sac à dos là. Combien de fois on dit qu'on regarde à droite et à gauche avant de tracer? Bah, t'avoueras que je me suis jetée sur le loot. Hein. Comme d'habitude, j'ai vu une étagère. Oh, boum! Un loup-garoc! Donc voilà, potentiellement, on verra à partir du 6 avril ce qui se passe, mais les programmes risquent d'être un peu chamboulés si je dois m'entraîner pour la ZLAN. En tout
tout cas, je vais essayer de faire en sorte. Hein. Donc ouais, je disais, si on est vraiment trop nul, il y a un tirage au sort. Je crois, si je dis pas de conneries. Mais bon, je vais apprendre en même temps que vous. Donc si le style ne paye pas, il y a la chance peut-être. La rigueur. Alors que moi dans cette tige, je me retourne rapidement et bim, un coup d'arme au cac. Ah ouais! Le fameux cac que j'utilise jamais. Il y a un truc qui parle à l'intérieur. Il y a un ennemi à 12 pas. J'ai pas du tout le réflexe du cac. Non, la liste des jeux, elle est pas officielle. On en saura plus le 6 avril. Et normalement, j'ai prévu des sessions d'enregistrement, d'entraînement avec Miss Louve. Qui est déjà passé, qui a déjà fait la Z-LAN justement. Ça y est. Et qui va retenter là cette année. Allez, j'ai plus de mini. Ah bah heureusement qu'il est allé. Mais ça fait longtemps qu'il n'était pas venu. Il arrive au bon moment, j'ai plus de mini pour mon pistolet. Apparemment, elle est nettoyée la zone. Je vous suggère de ne pas respirer l'air vicié de cet endroit. D'accord. Bon, je peux me relever du coup, c'est fini. J'étais sur les genoux depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je mets du temps à me retourner. Ah, un porte-clés. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une statuette. Je suis full, c'est ça? Ada, je bouge pas ma grande, j'ai plein de trucs à te filer. Attention. Alors les armes, pistolets, en même temps si j'arrêtais de ramasser que des cochonneries. Je n'aurais pas besoin de m'arrêter toutes les 2 minutes pour vider mon sac à dos. On me dit tout ce qui brille n'est pas d'or. Oh, j'ai ramassé une cage thoracique sérieusement. Ah Jerkal pour ton loup-garoc, stylé. Non mais il faudra, voilà, le 6 avril qu'on prenne toutes les infos et puis on va faire un programme de guerre, quoi. C'est, il faut qu'on soit prêt. Si j'ai le droit de m'inscrire, bien sûr, parce que je sais pas, hein, mais je crois que c'est ouvert à tout. Comme c'est pas ma première fois, ce sera la totale découverte. Non, c'est quoi ça? C'est quand même pas le protectron que j'ai activé là-haut. Non. Oh putain, du coup je culpabilise pour un robot. Ce serait le protectron de là-haut? Oh, des qui d'où je vais prendre des qui? Flemme. Ada! Prudence. Fais ce que tu peux. Voilà, fais ce que tu peux. Puis je pense que c'est la forme crépusculaire. Oh, stylé! Bah ouais, tes ultra balls sont encore cassés, Barry, t'as vraiment pas de bol. Pauvre Zerator qui se paye un bad buzz. Ah, je suis pas au courant, Asmos, par rapport à quoi qu'il se paye un bad buzz? Non mais les réseaux sociaux, ça va trop vite et trop loin souvent. Ah, c'était pour juste les commandes de protectron, tout ça pour ça, super. Super. Non mais je retiens Zouk, j'aime bien ce... Ah putain, le jeu il est vert. Ouais, c'est normal. Avec un peu de bain, il y a Power Wash. Oh putain, s'il y a Power Wash direct. Après, j'ai jamais timé Power Wash, mais c'est vrai que c'est, du coup c'est un jeu que j'ai déjà utilisé. J'imagine que c'est une façon d'y jouer timé, si jamais il y a Power Wash. Et mine de rien, déjà, si j'ai pas besoin d'acheter trop de jeux, ce serait déjà pas mal. Mais bon, je veux bien investir. Ce sera pas perdu. Ah, vous avez vu? J'ai fait un petit montage. Bon, j'ai pas fait grand chose, hein. En plus j'étais dégoûté, le fond d'écran était pas bon. Je m'étais fait chier à télécharger une image en format téléphone et il m'a mis un format paysage, mais bon, j'ai abandonné. T'as encore cette musique là, Orca, dans la tête, faudrait que j'aille l'écouter après. La porte elle marche pas, non, c'est bon. J'ai l'impression de... Ah oh! First aid. J'ai l'impression de passer ma vie dans ce niveau là. Peut-être pas qu'une impression. Oh oh. Oh 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 oh. Non.
Et après, on va essayer d'aller faire le mécaniste. Ah, à mon avis, les goules sont vides, c'est que j'ai fait un tour sur moi-même. Oui, les portes sont ouvertes, c'est bon, j'ai fait le tour, c'est bon. C'est un signe. Si tout est vide, c'est que je suis passée. Bad boys, c'est pas ça. Zerator, il a donné son accord pour participer en tant que capitaine pour un event paralympique sur de l'e-sport, et entre ceux qui shame les JO et ceux qui cancel Thibaut InShape, il prend la sauce. Quel rapport avec Thibaut InShape? Est-ce qu'il serait parrain avec lui? Bah, Thibaut InShape, je crois que c'est des rumeurs plagiat qu'ils mettent sur son dos, je crois. C'est à cause de la bande-annonce de Fall Guys avec Ryan Gosling. Quoi? Bah, j'ai surtout vu Ryan Gosling chanter I'm just kidding. Il a été casté aussi, d'accord. Ouais, mais bon, à un moment donné. Le pauvre Zerator, quoi. Là, j'avoue, autant il y a des fois, c'est un peu limite ce que certains influenceurs font. Encore que je suis pas sûr qu'on puisse dire influenceur pour Zerator. Ah, pas con. Utilise le Zva pour cercier des goules encore vivantes. Ben oui. Mais là, en l'occurrence, c'est bien ce qui fait être parrain de l'e-sport, en plus en prenant en compte les situations de handicap, je pense pas qu'il puisse faire beaucoup mieux. Hein. Quand même, faut pas déconner. Bon, c'est quoi l'autre mission que j'ai là? Purge du Commonwealth. Allez voir le chevalier Rhys. C'est bon, j'ai fini? Ah bah ouais. Ah mais c'est qu'il devait y avoir plusieurs entrées de métro. C'est pour ça que j'avais plusieurs indicateurs sur la carte. Ok. Bon là on essaye de faire le machiniste. J'ai mis 1h30... Enfin 30 minutes de plus que ce que j'avais prévu pour aller faire le machiniste. C'est quoi qui parle là? C'est Ada? Adada sur mon bidet. T'as bien là. Bien là, la sécurité. Je suis rentrée par là. Ils sont bien cachés, dis donc. J'ai pour vous le level up Orcal et Rosargue. Ah, Rosargue est dans les parages, je trouve bien. Bon, à mon avis, Rosargue est arrivé avec le raid des Super Geekettes. Oui. Vous avez intérêt à m'apporter de bonnes nouvelles. Tu te calmes. J'ai droit à une récompense. Jess m'a autorisé à vous rémunérer. J'ai droit à une récompense. C'est quoi le rapport avec Thibaut InShape? Il est coach sportif en quelque sorte, mais à part ça... Bah, je crois que c'est par rapport aux vidéos humoristiques qu'il fait sur les réseaux sociaux. Thibaut InShape, de ce que j'ai compris, il a sorti une vidéo en mars, 2 semaines après une version américaine, qui est limite... Il a pris le même script et il a fait les mêmes images. Bon. Quoi. Je me moque de ce que vous croyez. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous savez. Fichez-moi le camp et ne revenez pas. Petradio. Il manque de bol, ils ont cast Ophenia qui est bad buzz aussi pour entre autres son appli de rencontre 11-21. Ah là là! Ça par contre c'est moche. Une appli de rencontre qui intègre des mineurs alors que la fille elle a plus de 2 millions d'abonnés, elle a beaucoup de jeunes. Alors ça c'est du vrai bad buzz pour le coup. Ça je suis d'accord. Autant le reste, bon, admettons. Quand on a vu Gad Elmaleh ce qu'il a fait en termes de copycat, voilà. Je sais pas pourquoi je lui parlais. Excusez-moi, Paladin Dance. Vous voulez monter à bord? Non, pas encore. Mais pourquoi la confrérie l'a envoyé ici? Je n'en suis pas certain. Mais oui, par rapport à ce que Zera fait, je vois. Oui, maintenant complètement. Unité à récolter ici. Notre dirigeable s'appelle le Pridwen. Il transporte assez de troupes et de matériel pour lancer une opération de grande envergure. S'il est là, c'est que l'aîné Maxon est là. Ah. Et ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Qui est l'aîné Maxon? Maxon est le commandant en chef de cette division de la confrérie de l'acier. C'est un modèle et un exemple pour tous les soldats de la confrérie. Si nous partons en guerre, je peux vous garantir qu'il sera en première ligne pour lancer l'assaut. Quoi qu'il en soit, vous allez bientôt faire plus ample connaissance avec le Pridwen. J'ai reçu des ordres. Nous devons nous présenter tous les deux à bord. Suivez-moi sur le toit du commissariat. Je vous offre un petit tour de manège. Monter dans le vert type terre. Pas maintenant. Non, le problème avec Thibaut InShape, ce sont des propos. Ah, de peut-être plus longtemps. Je crois que le dernier bad buzz, c'était par rapport à ces vidéos.
Mais oui, il a toujours des problèmes avec ses propos, Thibaut InShape. En fait, ce que les réseaux sociaux Walk reprochent à Thibaut, c'est ses vidéos prises de position sur la place des trans dans le sport féminin. C'est quoi sa position là-dessus? Non, bah, le sujet qui me saoule en ce moment, qui est un peu touchy, c'est que dès que tu dis que t'as pas forcément envie qu'Aya Nakamura fasse l'ouverture des JO, t'es tout de suite taxé de raciste. Alors que non, on m'aurait mis Jules à la place, que j'aurais gueulé tout pareil. C'est par rapport au style de musique où je me sens pas représentée, je comprends pas la moitié des paroles qu'elle chante et tout, c'est pas mon style, tu vois. Donc je me sens pas représentée par Aya, mais c'est pas à cause de sa couleur de peau, j'en ai rien à faire de sa couleur de peau. Ce serait justement du racisme positif s'ils la mettent au JO pour sa couleur de peau. Donc c'était un peu chiant, effectivement, depuis l'annonce d'Aya Nakamura au JO sur les réseaux sociaux, c'est soit... bon, je préfère pas ouvrir ma bouche, du coup. C'est soit t'es raciste, soit t'es pour Aya. Bah en fait, non. Ouais. C'est pas aussi manichéen, les mecs. Plus, je suis pas contre Aya. Personnellement, c'est juste que, bah... J'ai dit, je compare à Jules. Si on m'avait dit que Jules faisait l'ouverture des JO, j'aurais réagi pareil. J'aurais fait... genre sur l'IA Thomas. Non, moi je veux dire, c'est quoi le rapport entre Thibaut et ce que fait Zera? J'aime pas Thibaut, mais il a raison sur ce sujet. En gros, que les trans ne devraient pas concurrer dans certains sports féminins. Bah, je suis assez d'accord avec ça aussi. Parce que dans le sport, on sait que les contraintes physiques jouent beaucoup. Tu m'aurais dit un concours de beauté. Rien à foutre. Encore que bon, il y a les notions de chirurgie esthétique et tout. On sait que les concours Miss France, ils aiment pas trop la chirurgie esthétique. Bon. Il y a des concours de beauté où la chirurgie esthétique est acceptée. Les trans peuvent concourir, il n'y a pas de souci. Mais là où t'as les compétences physiques qui rentrent en jeu... J'espère que ce secteur a été nettoyé. Bah tu peux pas, en fait, comparer. Affirmatif. Voilà ce que j'aime entendre. Voici votre... On a du pain sur la planche pour exterminer toute la vermine du Commonwealth. Si ça vous intéresse de repartir en mission, revenez me trouver quand vous voulez. Parce que la physiologie des deux corps, ils sont pas la même chose. Quand t'es né garçon, bah t'as pas les mêmes compétences physiques que quand t'es né fille, quoi. Dans la majorité des cas, bien sûr. Quelle est la mission? Vous allez nous aider à accomplir notre mission. Rayer ces abominations de la surface de la Terre. Quelle est la mission? Non, je vais répéter. C'est le nettoyage de printemps. Éliminer tout ce qui est mutant, synthétique et autres saloperies créées par les bombes atomiques. Mais tu me dirais, faut pas que dans le jeu e-sport, faut pas que les filles et les garçons jouent ensemble. Bah non, en fait, on s'en fout. Ne revenez pas tant que la mission n'aura pas été accomplie. Parce que là, dans le e-sport, les filles et les garçons peuvent jouer dans toutes les catégories ensemble, tu vois. Mais là, dans le sport, oui, non, je suis d'accord, c'est pas comparable. T'imagines, tu peux pas mettre un ancien homme contre une femme à la boxe, quoi. Ah, même s'il y a des femmes qui arrivent à battre les mecs à la boxe, mais elles sont défoncées. Thibaut participe au même truc, c'est pour ça. Oui, voilà, c'est ça. Thibaut et Zerator sont parrains du même truc. Et du coup, Zerator, il se fait éclabousser. Après, l'avantage de Zerator, c'est qu'il reste droit dans ses bottes. Et puis, j'ai l'impression que ça lui passe un pipeau au-dessus. Donc, je sais pas là comment il gère la crise, entre guillemets. Ouais, c'est pour ça. Choix de mission. Oui, oui, rien. Après tous ces sujets un peu touchy. Après, moi j'aimerais bien qu'en France, on est quand même le pays de la liberté d'expression. Ce serait bien qu'on puisse s'exprimer, en fait. On a dit qu'on faisait le mécaniste. Est-ce que je vais être capable? Je ne sais pas. Est-ce que je rentrerai pas à Sanctuary vite fait, quand même? Juste pour déposer mes cochonneries. Il faudrait que j'aille acheter des munis à Good Neighbor. Là, c'est une vidéo l'autre jour qui m'a bien fait plaisir. C'était à propos du mindsplaining. Le mindsplaining, c'est quand les hommes croient de base être plus intelligents que les femmes, en fait. Alors qu'ils sont pas spécialistes dans leur domaine. Alors que certaines femmes, si. Sur certains domaines, il y a des femmes qui sont spécialistes, tu vois. Et je sais plus, il y avait un article qui était sorti, il y avait un certain pourcentage de mecs qui se croient capables de faire atterrir un avion sans prendre de cours.
Et ouais, il y a des mecs qui se croient capables de ça. Le gros boulard. Non mais ce serait bien de connaître ses propres limites quand même. Et donc c'était une vidéo par rapport à une fille, enfin un mec non entraîné, qui pouvait battre une athlète entraînée aux 400 mètres, je crois. Je sais plus à combien de mètres. Et elle a dit, bah viens, on teste. T'es pas entraîné, c'est pas grave. Si tu te crois capable de battre des athlètes, femmes entraînées, bah viens en fait, on se fait la course quoi. Ah bah ça a été simple et efficace. Il a pas compris que le 400 mètres ça joue en 400 mètres et pas en 100 mètres et que il est parti un peu trop rapidement. Il s'est séché et elle, il est allé tranquillou bilou, elle s'est pas stressée et puis elle l'a. Elle est passée à côté de lui, elle a fait nion. Elle l'a décoiffé au passage et puis elle l'a éclaté. Parce qu'elle est entraînée quoi. Non, moi j'aimerais bien en faire atterrir sans le son, violemment certes, mais ce serait ma dernière fois sur le moment. Ouais voilà. Toucher le sol ça veut pas dire atterrir hein. Est-ce qu'on est tous capables de faire toucher le sol à un avion? Bon, je mets tout dans le sac et puis il faudra que je range parce que j'ai pas le temps. Là j'ai pas le time. Voilà, c'était ça, je voulais être sûre de penser à mettre les mods. Voilà. Est-ce qu'Ada peut être améliorée? On va aller voir. Bon, je pense pas, mais bon. Hop là. GG Baril pour ton level d'art. Ada. Modules spéciaux. Ah oui, non, MSAT, ça c'est pour ouvrir le. Tête. Non, là je peux pas mieux. Protection pour tête usinée, non. Plastron. C'est le mieux que je puisse savoir. Elle m'a l'air pas mal, hein. Là, c'est au besoin selon ce que j'ai envie. Bras droit, pareil. Ah non! Bras gauche à zéro tronc. Oui, ouais, c'est en fonction de ce que j'ai envie qu'elle fasse. Lance-flamme, il est plutôt cool, hein. Ouais, mais je crois que j'étais déjà passé sur tout ça et tout, donc. Pied. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est déjà pas mal évoluée. Ah, si! Je peux améliorer le châssis voltaïque. Pour la jambe gauche, est-ce que je peux faire le châssis voltaïque pour jambe droite? Oui! J'ai au moins amélioré ses jambes. En tout cas, Zera, ça l'a dingue bien. Au début, je pensais qu'il est timbré ce mec, non, mais il a l'air plus sympa qu'au premier abord. Bah, il a l'air plutôt posé, hein. Bah, j'adore tous les projets qu'il met en place et tout, son truc de fou. Tout ce qu'il fait, IRL et tout, c'est trop classe. Donner. Alors, pas maintenant la purge du Commonwealth. Restaurer l'ordre, oui. L'ombre de la confrérie, pas maintenant. Voilà, c'est bon. J'ai juste ma mission qui m'intéresse. Et il faut que je récupère mon fichier, moi, ouais. Voilà, c'est ça. Moi, perso, je le connais pas. Enfin, moi, pareil, en perso, je le connais pas. C'est juste qu'il faut reconnaître que pouvoir organiser un événement de cette taille, avec autant de dons et avec autant d'impact, c'est quand même un truc de fou. Ben, j'ai pas encore découvert tout ça, moi. Ah ouais. C'est vrai, il n'y a rien à prouver, il clean dans ses pompes et surtout il a pas changé malgré son succès. Ouais, c'est ça, Zouk. C'est la sensation qu'il donne. Toi, tu le connais mieux que moi, je crois. Enfin, pas personnellement, mais tu l'as plus suivi que moi, ouais. Bah là, il va avoir les oreilles fixées, mais dans le bon sens, quoi. Et à la boxe, c'est moins problématique, c'est des catégories de poids, même si du point de vue scientifique, il y a des différences. Densité osseuse, longueur des membres. Mais disons que la question est complexe. Tout le monde n'a pas le physique de Gwendoline Christie, ouais, ou la rage de Ronda Rousey, ou le talent de Catherine Winnick. Alors, Gwendoline Christie, je sais qui c'est, Ronda Rousey, non, je sais pas qui c'est, Catherine Winnick, je sais pas non plus. Des actrices, toutes les trois, ou ce sont des sportives? Oh merde! Bah! Ah, m'a craché dessus, wesh! Pardon, j'ai crié. Il y avait des munis dans la poubelle. Putain, heureusement que tu tires mieux que moi, toi. Ah, j'avais dit que je devais aller. Hein? Mais pourquoi elle était verrouillée la porte? J'ai tout fouillé ici. Vous les voyez, madame?
Le lieu, c'est comme si je l'avais pas fouillé. C'est quoi ces conneries? Je comprends pas. Non mais j'y reviendrai. Je crois que je l'avais pas fini de le fouiller entièrement. Y'a pas une connerie comme ça par rapport à la clinique? Ouais mais bon, c'est pas grave, c'est pas le moment. Nous faut qu'on aille au machiniste. Ouais, il s'est fait... la mouche elle s'est fait vaporiser complètement. Ah puis ce soir faut pas que je traîne de trop. Ce sera pas une double dose de stream ce soir. Faut que je sois raisonnable. Déjà que cette nuit j'ai quasiment pas dormi. Un peu de stress du coup. Faut pas déconner quoi. Faut pas que j'arrive avec des grosses poches demain à l'entretien quoi. Non, simple dose. Bah c'était trop, c'est certainement sous hormones, du coup il y a un aplanissement. Bah je sais pas si les hormones peuvent altérer entre guillemets tes capacités physiques de base. Non mais par exemple tu vois, le golf, je pense que ça va. Entre une fille et un garçon encore qui a une notion de force, enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a une notion de force, de souplesse? Il y a des choses comme ça en fait, faut voir sport après sport. Parce que je dis golf parce que c'est... Désolé pour ceux qui font du golf, ça fait penser au sport de petits vieux le golf. Désolé pour les amateurs de golf. J'ai pas pris de mini, je suis parti sans putain, il y a des ghouls. Hop là. Marc, je devrais peut-être pas partir sur une quête aussi longue à 23h30 pour une fin de stream à minuit, moi. Comme d'habitude, en fait, j'ai envie de dire. Ada, recule, j'ai mis des bombes. Et j'ai essayé de sniper. Oh putain, elles m'ont déjà capté. Vous avez entendu? Ouais, je les entends, elles sont là. Elles sont juste là. Ah, t'es pas mort, toi? Ah, la... Ah, j'ai réussi la mine, je crois que ça leur a cassé juste les jambes et il y avait le corps qui était encore vivant. Non! Oh, c'était quoi ça? Oh, il y a une légendaire dans le tas. Oh, ça va, il est pas tard. Oui, je sais, mais... c'est toi qui dis ça, sérieux? J'ai mon entretien à 11h demain midi et c'est toi qui... À 11h demain, c'est toi qui me dis « Mais non, t'inquiète, tout va bien. » Ah, lol. Ah, un tas de cendres. Ouh, steampack auto. Ouh là là. Bel objet. Faudrait que je tape plus de légendaires, mais j'en croise pas tant. Je vais pas m'en plaindre. Je suis debout depuis 4h30 et j'ai encore la forme. Ah là là. Tu t'es pas recouché après 14h30? T'es sérieux? C'est là où on devait arriver, c'est ça? Réservoir Poséidon. Attends. Ah putain, je me suis trompé de quête. C'était pas là qu'on devait aller. Oh la con. J'étais pas au bon endroit. Pourquoi j'ai un point gris là dessus? Ah non, faut que je retire. Oh là là. J'ai fait n'importe quoi. C'est sûrement les deux kebabs que je me suis... Deux kebabs! Pourquoi tu cries quand c'est des ghouls qui t'attaquent? Parce que les ghouls, elles me stressent. Je suis comme Marion. Alors, Gwendoline Christie, c'est Brienne de Torzancote. Ouais, Ronda Rousey, championne du monde de catch et de MMA, qui joue dans Expendable 3. Ah, jamais vu l'Expendable. Catherine Winnick, c'est Lagertha dans Viking. Ex-garde du corps, ceinture noire. Sérieux? Elle sait faire tout ça, elle? Oh, faut trop que je regarde... Regarde aussi Viking. Bah non, c'est pas re-regarde, je suis con, j'ai même pas fini la saison. Je confonds avec ce que je disais tout à l'heure, que je voulais revoir Game of Thrones. Hein? T'as besoin d'être réparé, Ada, ou c'est moi? I'm just kidding. Toi, c'est plutôt les écorcheurs qui stressaient. Bah, du coup, tu stressais pas souvent, y'en a pas beaucoup d'écorcheurs. Boum. Oh, un trou. Ouais, elle a été cassée la première fois alors qu'elle était là pour escorter une autre actrice.
Trop classe. Ce genre de casting trop stylé. Pourquoi ça avait fait pareil, un mec qui avait rejoint un groupe de musique, je crois, qui était venu là, genre, juste pour accompagner un copain, et puis il a été retenu. Je sais plus quel groupe c'était, ça. Oui, quand il y en a, voilà. Oui, quand il y en a, par contre, ça fait mal. Est-ce que je dois prendre le pont ? Je pense qu'il faut que je prenne le pont. Ah ! Au pire, je sauterai, c'est pas grave. Cette femme est trop stylée. Bah ouais, j'avoue, hein. Je pensais pas qu'elle savait faire tout ça. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup avancé dans la série, donc j'ai pas assisté à beaucoup de bastons avec la Gerta. À mon avis, les plus grosses bastons, je les ai pas vus d'elle. C'est moi, il y a eu un bruit. Oh, c'est elle. Ah, ah, j'ai cru que c'était une boîte aux lettres comme dans Seven Days. Boîte aux lettres, c'est important à fouiller dans Seven Days. Découvert, aéroport de Boston. Donc oui, on n'a pas fini la conversation tout à l'heure. Merci d'avoir trouvé le nom du jeu, du film. Daylight, je le conseille à tout le monde. C'est un super bon film. Donc là, on est machiniste. Endroit où on est déjà allé une fois. Mais on est mort. Dans d'atroces souffrances. Enfin, j'espère que j'ai mis la bonne mission. La soirée va se finir plus tôt que prévu si je me plante dans toutes mes missions. Dans toutes mes missions. Ah. J'ai un peu la boule au ventre quand même pour demain matin. Mine de rien. Cette nuit, pour me défendre, à la base, je devais aller dormir. Après le stream de Builders. Et j'ai allumé un petit jeu cosy. Et 4 cafés manager. Et je me suis mis en fait entre l'accusé. Me demandez pas pourquoi ça fait un équilibre parfait. En fait, entre l'accusé et Panta, ça fait miaou miaou. On est beaucoup à regarder des fêtes entre l'accusé. J'adore. Et quand on me demande pourquoi t'aimes bien fait entrer l'accusé, ah, oh, je me rappelle dans le trait, je m'étais fait chier à faire tous les ordis. Bah, c'est qu'en fait, il y a des gens qui aiment bien regarder NCIS. Bah, moi, j'aime bien regarder fait entrer l'accusé. Parce qu'en fait, les gens, la vérité, des fois, elle est plus tordue que ce que les scénaristes pourraient envisager. Bon, je refais pas tous les ordis parce que je suis pas sûre que ça avait été très utile. En fait, quand on a pas de narines, on me dit c'est pas la petite bête qui a mangé la grande. Et pour les moustiques, je dis ça, je crois que j'en ai un. Ah, défonce-le! Bah, les moustiques, quand j'en ai un dans ma maison, je redors pas avant de l'éclater. Bah, non, t'es sérieuse, toi? Hein? Le coffre-fort, il est vide? Pourquoi? Je suis déjà. J'ai peut-être pris le coffre-fort, je me suis barré. En disant flemme de tout recommencer. Et flemme de faire le terminal aussi. Attends. Ah, du coup, c'est ballot parce que. Elle l'a sifflé. Non! C'est avant de connaître Ada, je faisais moi-même. Tous mes trucs. Hey. Oui. Donc mes points étaient importants. Mais là, comme je vais faire à chaque fois. Bon, j'arrive pas. Soit un bébé moustique, soit un moucheron difforme. Est-ce que tu crois qu'elle a essayé de te faire bzzz à l'oreille? T'as Rocky, on en parlait justement. Drink, ça pourrait être drink. Zéro avec drink et zéro avec Rocky. Donc tough, non. Using, non. Rocky, non. Hatch. Oui. J'y suis. Ouais. Non mais si j'avais su, j'aurais pas mis dans les deux en fait, j'aurais pas mis dans les épingles et en plus dans les codes. Mais après ça dépend, faudrait... Ada c'est un personnage d'un DLC... Activer le verrouillage, n'importe quoi. Un personnage d'un DLC. Un tic sauvage apparaît. Le fun fact, pour Star Wars, le studio ne voulait aucun acteur d'American Graffiti au casting jusqu'à ce que George Lucas demande à Harrison Ford de donner la réplique à Carrie Fisher pour son casting.
Énervé, il était là en tant que charpentier ébéniste pour le décor. Et George a craqué. Ah, trop stylé. Ah oui, genre, il s'est faufilé à Harrison Ford et puis... alors qu'il en voulait pas et du coup, il l'a pris parce qu'il a donné la réplique et ça collait trop bien. Ah oh. Ah oh. J'aime bien les histoires comme ça. Oh. Fais pas le voir celui-là. Ah, j'ai ce que rien pour le moment, on n'a pas encore ouvert la porte. Je sais plus comment j'étais morte. C'était pas un laser-otron qui m'avait dézingué ma petite bouche. Quelque chose comme ça. Ah, j'ai encore la chanson dans la tête. I'm just getting... Terminal défectueux. Un tic, non merci, ton chemin d'une canne élevage. Quand, dès que t'as un animal, t'apprends rapidement à retirer des tics. Et de la bonne façon. Surtout ça. Pas laisser la tête dedans. J'ai John pour ton level up, John Reload. Ah, oh, c'est un nom qui me rappelle des souvenirs, John Reload. Ça fait un moment. Si tu nous entends, des bisous. Au lance-flamme. Non mais là, au lance-flamme, c'est les deux animaux que t'as mis, ton animal et la tique. Ça... Oh non sens, comment ça va bien. Putain, j'ai pensé à toi et tout, on parlait de sur Over, que t'étais trop fort. Que pour un débutant Over, tu te débrouillais très bien. Et je m'étais dit, mais tiens, non sens, il est où? Quand est-ce qu'on peut rejouer Over avec lui? Je voulais pas descendre de suite. Ah bah c'est pas grave, je suis pas descendue, je suis sortie. D'accord. Quel intérêt. C'est pas grave. À l'époque, il était charpentier, pas moins que toi. Ah, d'accord. Vu qu'il jouait dans American Graffiti, il devait pas être retenu. D'accord. Ce qui a joué avec ses nerfs. La scène de casting est celle du voyant. Alors par contre, je saurais pas reconnaître les scènes et tout. Bah, il lui fallait un petit côté bad boy au personnage. Bon, tu vas assister à un moment donné où je suis morte la dernière fois déjà. Espérons que cette fois-ci je ne mourrai pas. Je vais essayer de d'être prudente. Désolé, la dernière fois la batterie du téléphone a... Ah, vous avez pas fini une conversation? Bon, je pense que à mon avis il a oublié, mais il va te le dire. Zepper. Ça veut pas y aller. Je vais pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatiguée. Tiens! Arrêtez le mécaniste. Nope, il était tard. Oui, non, c'est pour ça. J'étais pas trop inquiète. Pour votre amitié. Je pense qu'elle n'en a pas souffert. Chlung. J'étais morte là-dedans. Je crois que j'étais morte. Hein. Je me rappelle pas des portes et tout, mais nous, on y l'a déjà passé. C'est pas le mec que je voulais lui parler. On s'est attaqué direct. Là, j'ai les armes déjà et tout, donc je pense que ça peut jouer en ma défaveur. Je me rappelle l'avoir fait, je crois. Ah, il y a un jour ou l'autre les plaques d'identification, faudra que je trouve un endroit où les mettre. Ah, je suis en train de jouer un petit jeu mobile qui est pas mal. Qui est un peu dans l'ambiance... qui est un peu dans l'ambiance 7 Days. C'est mon cousin-neveu qui me l'a conseillé. Ça va bien, je viens de finir Rebirth. D'accord, trop de portes, ça finira Rebirth. Ah oui, si, je me rappelle de ça. Ah oui, je m'étais fait coincer dans un angle. Et vous savez quoi? Petite sauvegarde rapide. Ça mange pas de pain. C'est vrai, je me rappelle, on passait par le trou. Oui, si, ça, j'ai fait ça, tout ça. Terminal du bureau.
diplomatique concernant les autorisations. Et je crois qu'il avait commencé à me parler au micro, mais je me rappelle plus trop. J'étais un peu écœurée en fait de devoir refaire tout ce que j'ai fait là. Enfin, comme on dit, chat échaudé, crâne l'eau froide, j'ai enregistré. Dragon's Dogma 2 arrive bientôt, j'ai hâte. Oh yeah! Et donc, ton avis sans trop spoil, non-sens? Par rapport au choix artistique. Déjà, j'ai vu qu'il y avait des gens qui pétaient un cap parce que Vincent Valentine n'est pas jouable. En même temps, à quoi ils s'attendaient, les gens? Sachant que Nanaki, quand on le récupérait à la fin du premier volet, il n'était pas jouable non plus. Ada, t'es où? Ada? Adada? Je voulais qu'elle déverrouille. Je monte mon artisanat. Ah, t'es sur Final Fantasy XIV? Barbed, rien. Donc Cables, rien. Non. Enough. J'ai rien avec Enough. 1. Bon, putain. Bottom, ça peut pas être ça. Forget, ça peut pas être ça. Sneaks. Ça peut être ça. C'est pas ça. Having, ça peut pas être ça. Swings, ça peut être ça. Rugrat. Deux avec Snicks. J'ai dit Swings. C'est bon. Ah, c'est bon. Faut que je me fasse confiance des fois. Je sais plus qui m'avait écrasé ma petite tronche dans un coin là. Je m'étais retrouvée, je me rappelle, je m'étais retrouvée dans ce petit coin-coin là. Maintenant j'ai peur. Oui, comme précisé plus haut. Ah, pardon. Ah oui, je fais de la couture sur FF14. Ah, c'est pour ça, de la couture que mon sens il a mis. Ah bah oui, mais je lis pas, j'arrive pas à tout lire là. Vous papotez entre vous, en plus j'ai pas trop envie de vous embêter. Eh bien, j'ai vécu l'épopée que j'attendais comme à l'époque. Il y a des fois évidemment des trucs un peu inutiles, mais j'ai fait aucune quête annexe. Ah d'accord. J'ai fait 40 heures juste pour faire l'histoire et rien à voir avec remake en tout cas. Ouais. Faudra vraiment la réparer, elle est devenue luciole. Ada? Mais non, mais elle est pas cassée au niveau des jambes. Enfin, je crois pas, je crois que c'est normal le flux qu'elle a au niveau des... Quoique... Ouais, j'avais une connerie avec la porte et tout, la porte d'ascenseur. Bah j'y vais, m'en fous, j'y vais pas. Cette fois. On va à l'objectif directement. J'avais dû faire libérer un truc. Ah non, c'est lui qui les avait envoyés, les méchants. C'était génial. Pas l'ascenseur. Attends. Ça, je me rappelle cette conversation avec lui. Voilà. Oh! Ah mais lui, il vole, donc il va pas se prendre la mine. Dans mon estime, oui. Vous êtes blessée, madame, dans mon estime. Ah, c'est ça. Ça qui m'a fait chier. Qui était venu me tuer. Qu'elle tombe pas dans une mine. Ah, j'ai pris un... Ah, j'ai pris un... Ah, j'aurais dû venir avec des gros... Ouais. Ah, il est parti où le molotov là? J'ai eu grâce à mes mines? C'est pas mon molotov en tout cas, il était tellement mal placé. Ah, quand tu sais. Quand tu sais à quoi t'attendre, c'est mieux non? Alors attends. Je veux juste vérifier au SWAV que toutes mes machines au sol elles aient pété. Voilà, c'est l'heure du loot! Miam 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 miam. Miam miam miam. Miam 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 miam. Je me suis pas mal débrouillée. Bon, je suis allée plus loin que la dernière fois. Vous voulez diminuer le poids de votre équipement? Oui, s'il te plaît. Une belle explo. Ouais.
Globalement, bien plus satisfait que le premier, car moins de choses artificielles, et ça, c'est pas plus mal. De bonnes subtilités entre les persos et les dialogues sont quasiment moins niés. Attends. Sont quand même moins niés que Remake. D'accord. Moi, je suis contente alors si t'as passé un bon moment. Oh, j'ai toutes les cochonneries. Ah, parce que maintenant je me lâche. Hein. Comme je sais qu'elle peut ramasser la cocotte, je me fais plaisir. Bon, c'est cool. C'est cool, Raoul, c'est cool, Raoul. On a avancé d'un pas. Scanne ça. S'il te plaît. Et donc la porte de l'ascenseur, ça faisait quoi? Je vais aller voir du coup. Ah, il y a peut-être deux façons de rentrer. Ah merde, c'est des longs trucs. Oh, flemme. Ada! Oh, un ventilo. Ada! T'es où? Adada? Ah, t'es là, putain. Hey. Tu me fais peur. Tu m'as fait peur, Adada. Allez voir non ce que c'est. Oh, il y a Sea of Thieves qui arrive en avril sur la plage. Je vois... Ah, trop bien! Je l'ai pris sur quoi, moi, Sea of Thieves? L'ordi, je crois. Mais c'est... Et merde, acrylique. Bon, Ada. Hey, c'est hors de portée. Restez en position. Non. Attends, c'est pas ça. Non. On y va. Je m'en charge. J'ai besoin de tes talents. Voilà. Allez, au travail. Laissez-moi déverrouiller ce terminal pour... Merci. Comme ça, on saura pour la porte de l'ascenseur, quand même. C'est dans le quoi, Xbox Game... Xbox... Je ne sais pas si je peux pirater ça. Xbox Game Pass, qui va être. Ou il est pas déjà. Ah, sur la Play, je suis con. Sur le PS Store? Ou c'est le... offert PS Plus, là? Trop de questions à ma question. Peut-être qu'avec ça... Elle est pas meilleure que moi, en fait. Je vais essayer autre chose. Non. Elle est pas meilleure que moi. La sécurité de ce terminal ne soit plus quoi que moi. Arrête. T'es sérieuse? Mais je te taquinais, moi, c'était une blague. Fais chier, moi, de faire le boulot... C'était quoi la question? Par quel biais arrive Sea of Thieves sur la Play bientôt? Merde. Transmitter, non. Ouais, Reabot, non. Approximative. Oui. Ah non, c'est approximate. Researching. Ça y est. Voilà, il n'y a pas grand chose. Sur PS Store, okay. Ça fait un gros boom, mais non. Mettre 40 balles, c'est un peu cher, donc à voir. Qui quoi? Ah ouais non. L'établi de robots a... Il tourne pas sur ton ordi? Même Jackson n'a pas réussi à épuiser la totalité des permutations. C'est possibles. Une blague. Cet ascenseur ne fonctionne pas. Tout ça pour ça. Ah, c'est l'ascenseur retour. C'est l'ascenseur retour. Putain, ils ont fait une belle explosion eux. Hein. Je récupère mon fichier maintenant. Mais bon, j'ai peut-être fait le plus gros de la quête mécaniste. Hein. Tout le monde, là, on finit la quête mécaniste et on s'arrête pour ce soir. Oh, du savon. C'est important, l'hygiène. Puis tu fais des explosifs avec du savon aussi. Si je dis pas de conneries. Sea of Thieves, trop bien. Bah ouais, mais à 40 balles. Non, il tourne pas sur l'ordi, mais je verrai si je prends direct ou une promo dans l'été. Ouais, voilà. Y a pas... C'est dommage que sur PS Store, il n'y ait pas le système comme pour Steam où tu mets une liste de souhaits et du coup, dans la liste de souhaits, quand il y a une promo, ça te prévient. Moi, je fais ça et c'est trop bien. Non, je corrige. Je mets dans ma liste de souhaits et quand il y a une promo, Asmo me le paye. Ça y est. Merci encore, Asmo, pour Green Hell hier soir. Non, c'était hier soir. Donc ouais, Zouk, si t'as pas suivi, j'ai Green Hell maintenant.
J'hésite à prendre Nightingale pour te rejoindre hein, sur le jeu si t'as envie de moi. Enfin, pardon, si t'as envie que je te rejoigne. Oui, oui, oui. Mais sur le PS Store. Si, il y a aussi sur le PS Store. Arrête. J'ai jamais vu. Je reçois la notif de promo sur l'appli. Ah bon? Ah, sur l'appli. Ah oui, via la console, je crois. Ok. Ah, sur l'appli, c'est possible. J'hésite à prendre Nightingale pour te rejoindre. Et je voulais voir, savoir si ça pouvait t'intéresser. Mais après, faut voir aussi, tout dépendra de du 6 avril si je participe ou pas à la préparation de du Zedland quoi. Grave. Mais aussi bien la console. Ah oh, putain de ta race de robot blindé. Aussi bien la console. Parce que Nightingale, effectivement, il me tente bien aussi. Il faudrait qu'on commence au même moment pour une fois. Parce que comme j'attends les jeux sur les sites, je suis toujours en décalé avec toi. Et je me dis que si je récupère un jour Nightingale sur un site, bah je ferai mon essai, mais je ferai gagner le code. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Je suis pas sûre que mon arme soit adaptée là. Non, t'intéresses pas à moi, t'intéresses pas à moi. Non, non, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Ouh là là. Moitié. Du crâne, je m'en fous. Mais t'as une chose qui te notifie quand ton souhait est sorti. D'accord, j'ai jamais vu le système de souhait sur console. Je l'ai Nightingale, mais en solo, ça m'a un peu démotivé. Ah, Baril, tu l'as aussi Nightingale. Ah bah oui, si je le prends, il faudrait qu'on se fasse des sessions. Après, il faudrait qu'on continue aussi notre partie 7 Days, Zouk. Je dis encore une fois, on a plus de jeux que de temps. C'est souvent ça quand tu atteins l'âge adulte. Mais globalement, tous les jeux de survie sont plus sympas avec du monde. Vas-y, Ada, donne tout ce que t'as. Bah, toi, en solo, ça te dérange pas les jeux de survie, Zouk. Je peux comprendre le point de vue de Baril. Pour le coup. Parce que Small Lands, j'ai réussi à finir par l'avoir, mais toi tu l'avais déjà torché, t'étais plus dessus. Vous trouvez quelque chose d'utile ? Ça va, Imhotep. Donc c'était trop tard en fait quand j'ai eu. Oh, dis quoi, ça c'est tous ces bruits là. Qu'est-ce que c'est que ces bruits ? Wouh ! C'est à quoi que je lise tout ça? Je sais pas. Bon, mine de rien, on a beaucoup papoté, mais on a avancé quand même. Hein. Oh! Ah, j'adore là, quand le métal il vole de partout. Est-ce qu'elle a besoin d'être réparée de nouveau? Non, ça a pas l'air. Assiette blanche propre, c'est vrai que c'est super important pour la suite de l'aventure. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas eu d'assiette blanche propre en plus? Ah ça, les menus par contre, ça m'intéresse un peu plus. Ça va, Ada? Tu te débrouilles? Bon, ça a pas l'air d'aller. Ah oui, pour ça, je suis plus Far Cry, Dying Light. Dying Light en groupe, en petit groupe, il est bien. Parce que bon, avec tous les problèmes de déco, vous mettez un petit groupe. C'est vraiment dommage que Dying Light ait autant de bugs. De nouveaux modules de robots, très bien. Oh 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 oh. Après, je disais tout à l'heure, ouais, non, on va pas faire de DLC et tout. On est en plein dedans, le DLC, hein, pour info. C'est un DLC, ce qu'on est en train de faire là. J'aime pas trop beaucoup l'ambiance ici. Robot de récupération, qu'est-ce qu'il veut récupérer? À droite, j'entends des bruits, non? Ah, on parlait de Conan Exile hier soir aussi, Zouk. C'était un de mes premiers jeux de survie.
Et maintenant j'en fais à l'appel, hein. Je suis devenue une pro, lol. LOL. J'aime bien faire le tour de la pièce avant de toucher un ordinateur qui n'est pas le mien. Ça sent le piège ou c'est moi là? Terminal de commande de la réserve de robots. Oh, attends, ah oui, c'est vrai que t'as écouté la rediff. En coop, oui, j'ai galéré avec un Mexicain. C'est mieux passé quand il est sur ma partie. Mais oui. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Non, sérieusement. Si, j'avais commencé dessus. J'en avais fait un peu. Bon, j'ai passé plus de temps à te faire chier que... qu'à survivre. Parce que c'est toi qui m'avais refilé le cheval, c'est toi qui m'avais tout refilé. Les méchants, ils sont... Nightingale, je suis pas sûre, faut que je vois les retours de mon beauf. Les évals juste moyennes me refroidissent un peu. Ah, je savais pas qu'il était mal noté. Ah, Asmo, t'es présent pour du Conan Exile? Ouais, j'ai cru comprendre. Ce qui est bien, c'est que vu que la communauté grandit, on va trouver de plus en plus facilement des gens pour jouer avec nous. Et ça, c'est bien. Oh oh. Si le but de la manœuvre... les méchants au-dessus. Putain, j'en lance que des cochonneries. Bip 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 bip. Le Nicacola était dans sa main. Oh, regarde, la maquette de Mr. Andy était trop mignonne. T'as, et comme quoi faut vraiment fouiller partout. Je suis choquée. Des fois, il y a des mots de passe qui se cachent dans les textes. Il est super bien noté. Alors, d'un côté, il y a Zouk qui dit qu'il est super bien noté. De l'autre côté, Asmo qui dit que les évals sont pas ouf. Les évals Steam sont pas ouf. Attention. Ada, je suis full. Hein. S'il te plaise. Steam, affichage 577 évals correspondant au filtre ci-dessous moyenne. Attendra nous coller l'autre texte. Je me sens plus légère de 40 kilos. Donc là faut monter j'imagine. Là c'est quoi? Je suis arrivée par là. Après j'ai une arme qui est assez puissante là dans les mains. Pour un accès anticipé, il est très bien. Oui, voilà, des fois, faut pas oublier que les accès anticipés fonctionnent plus ou moins bien. On a quand même eu un accès anticipé qui fonctionnait pas du tout l'autre jour, donc vous plaignez pas des accès anticipés qui fonctionnent, j'avoue. Après, c'est le moment ou jamais de leur dire ce qui va pas, hein, pour qu'ils s'améliorent, pour que ça disparaisse. Hein. C'est tout l'avantage des accès anticipés. C'est le moment où jaja. C'est ce que je dis en sortant des water. Mais oui. Tu sais que j'y ai pensé. Je me suis dit, putain, je suis soulagée de 40 kilos. J'ai failli faire une blague dessus. Je me dis, non, je vais pas faire ça quand même. Mais vas-y. Si, si, j'aurais pu. Ça aurait fait plaisir à Orcal. Ah, l'humour. L'humour gras, des fois, c'est bien. Qui a fait plaisir. Alors, attends, qu'est-ce que je peux manger, moi? Ah, de l'agneau. Mais j'ai pas envie de me bourrer la tronche. Ça fait longtemps que j'ai pas bu dans ce jeu. Autant que ça continue comme ça. Poche de sang, tout simplement. Ah. Ils ont bien brûlé. Assurez-vous de ne rien laisser traîner d'utile. Par contre, il y a un moment donné, même elle va être full, hein. Si je continue à ramasser des cochonneries. Des cochoncetés. Il y a ma soeur qui arrête pas de me dire « Ah, oh, faudrait que je vienne voir plus souvent en stream et tout. » Mais oui. Mais viens donc.
Alors, la mécanique innovatrice est un contemplatif niveau de l'univers. Oui, voilà, faut aimer l'ambiance aussi. Voilà, il m'a anticipé, fiche de 12607 évaluations extrêmement positive. Ah oui. Après, Valheim, il aurait pu se prendre des grosses claques parce que graphiquement, il est pas ouf. Hein. Moi, j'ai eu un petit temps à m'y habituer au graphisme. Ah, le système survie de Nightingale est léger. Oui, mais il te paraît léger à toi qui est habitué, non? Je sais pas. Où est-ce que ça m'attaque? Ouais, on est tombé sur un piège. Dans un piège. C'est quand ton prochain Overwatch? Mardi soir, si je dis pas de quoi. En fait, tout dépend de s'il y a du 7 Days ou pas. Faudrait que je me. Qu'on se trouve des dates avec les filles, parce que souvent, c'est un petit peu à la Wallogame. À la Wallogame, a piece to fly. Parce que tu vois, mardi, là, j'avais annoncé du over et finalement, ça s'est transformé en du 7 Days. Ah, c'est priorité à 7 Days, hein, évidemment. Ouais. Graphiquement, Valheim est moche, mais justement, c'est pas le même objectif. Comme c'est un parti pris. D'être moche! Je sais pas comment on dit ça. C'est moche, mais c'est un parti pris. Mais là, j'ai fait un peu ma feignasse, entre guillemets. Ah oui, si, j'avais des questions à vous poser. Oh, on se croirait dans Satisfactory, l'ambiance et tous les tapis. Oh, en parlant de Satisfactory, je suis allée sur une partie de Célestad et son frère. C'est des gros fada. Ils ont fait un truc immense. Le pixel art 3D. Je le vois pas trop, le pixel art, j'avoue. Ouais, je vois ce que tu veux dire. À peu près, mais. C'est vrai que j'ai mis du temps à m'habituer. Enfin, du temps. Moins d'une soirée quand même. Hein. Attends, qu'est-ce que je dois attirer là? C'est bon, ça. Qu'est-ce qu'elle cause? Ça va où? Ça fait le tour. Il y avait une tourelle en tout cas. Ah, je reviens derrière. J'ai une shrouded affair. Affichage. Ah oui, une shrouded. Une shrouded. Mais après, là, ce que j'aime bien avec Nightingale, ce qui m'attire, c'est le fait qu'il soit différent. Au niveau ambiance. Ça, c'est un plus, un vrai plus. J'y suis perdu, wesh. Trop d'infos. Un cube. Trop d'infos d'écran. Il reste combien de temps? Enfin, techniquement, on a déjà dépassé, mais... Comme d'habitude... Un. On m'attire dessus. Ah, c'est que je pète des trucs qui sont peut-être pas actifs, en fait. Ah, ça trompe le svav. Tu vois que quand il tombe, il s'active après. Ah ouais. Du coup, je prends de l'avance quand il tombe. Enfin, je pense que si à mon avis, il tomberait et il faudrait que je me l'efface aussi. Putain! Relève-toi, Ada! On est dans la merde! Y'a un gros truc qui me court dessus. Je suis lourd, qu'on exhale, ambiance poutre apparente, ça change. Oh putain, y'en a un autre derrière. Ah, légendaire, mais comment je vais pouvoir me débarrasser de tout ça moi? Attends, j'ai sauté sur place. Une grenade. Impulsion. Oh, sérieux, qu'est-ce qui m'a tué là? J'avais encore de la vie, non? C'est l'heure de la soupe à ce moment-là. Bah, bon appétit, non sens. Bon, ça, je retente par rapport à l'endroit et il me fait pop le jeu. Une trouée de... Bah ouais, j'ai fait un gros rip. C'est mon premier rip de la soirée. Ah, j'ai paniqué en plus. Oh non!
Putain, non, 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 non. Enfin, j'aurais... Je suis dégoûté. Bah non, bah du coup, ce sera pas pour... Tant pis. Tant pis, ce sera pas pour ce soir. Je vais arrêter là. Ce n'est pas cher. Je tue 2-3 trucs et puis, puis je suis verte. Oh non. Bah oui. Pourquoi des fois ça sauvegarde super souvent et d'autres fois pas du tout? Non, moi je me retape pas tout ce soir. Hein. Ah, je suis désolée. Non, mais je reprendrai au début la prochaine fois. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Vous portez trop de choses. Bah oui, je me doute, ouais. Psst. Un autre chose à refaire, là. Parce que ça s'est eu de temps en temps, c'était bien. Bah mais là, ça a pas sévacé, là. Je suis un peu verte, parce que j'ai avancé de fou. Hein. Oh, puis je suis morte tellement connement. Non, trop, là, trop. Oui, save de temps en temps, c'est bien, mais des fois, il y a des autosaves qui sont suffisantes. Mais là, non. Avec joie que ouais, je vous aiderai si je peux. Donc oui, le but de la manœuvre, c'est que je refasse pas... Enfin, j'aimerais bien garder un rythme de stream, de 2 streams par semaine. Et comme j'en ai fait qu'un sur une semaine, je vais en faire qu'un. Ouais, à moi de prendre l'initiative, Baril, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc à moi d'en refaire qu'un seul cette semaine. Attendez, je sauvegarde et je continue après. Du coup, je me dis que c'est l'occasion de faire la soirée des 900 followers ce week-end sur des petits jeux à la con. J'ai essayé de voir un site pour faire du Uno tous ensemble, il n'y en a pas tant. Faut que je revoie, parce que du coup entre les sites où c'est des arnaques, entre guillemets, ou juste pour prendre tes données et les vrais sites, voilà déjà. Hein. Donc ouais, faudrait que je trouve un bon site, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les filer. Sinon, il y a la solution de Board Game Arena, mais je suis pas sûre qu'il y a Uno dessus, faut que je vérifie. Donc j'aimerais bien faire la soirée spéciale des 900 followers ce week-end. Et donc à voir avec vous si vous préférez le samedi ou le dimanche. Donc n'hésitez pas à me le marquer sur le Discord. Bah pour le YouTube du coup c'est foutu, ce sera déjà passé à mon avis. Mais pour ceux qui sont sur Twitch là actuellement, n'hésitez pas à me mettre sur le Discord des infos pour savoir si vous préférez que ce soit samedi soir ou dimanche soir la soirée des 900 followers. Bon, bah allez, je vous fais des gros bisous, je coupe maintenant. Désolée pour ce... Bah non, pas lundi, Marine. Il n'a pas compris la question. Vous pouvez répéter la question. Je coupe pour ce soir. Je suis trop déçue d'avoir perdu trop de temps et tout, donc bah voilà. Hein. C'est petit queue de poisson, petite queue de poisson pour la fin de soirée ce soir. Ce sont des choses qui arrivent. Et puis c'est tout. Bah, j'ai plus qu'à vous faire des gros bisous. Je vous dis à demain soir sur Valheim. Oh, au pire, oui, on pourra en reparler. Je vous laisse réfléchir. Et on se dit ça sur demain soir sur Valheim. On se dit comment on s'organise le week-end. Voilà, si ça vous va, on se fait comme ça. Bah, allez, des gros bisous à tous. Et je vous dis bonne nuit. À la prochaine. Ciao, ciao.